Et Salut tout le monde, bienvenue. On est ensemble pour cette nouvelle émission de hors jeu. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur le chat et partout. Bien sûr, si vous nous suivez sur YouTube, si vous nous suivez au travers de TikTok, au travers des différents réseaux, en podcast aussi. Et eh bien on vous salue, les amis. Aujourd'hui un invité exceptionnel qui va nous rejoindre très très rapidement dans l'émission. On prend juste le temps de faire l'intro et de présenter le casting du soir. À commencer par celui dont ça a été l'anniversaire très récemment. C'est Pipion avec un très joli maillot aujourd'hui de la Real Sociedad. Comment ça va? Bah écoute ça va très bien et toi Braque. Bah ça va, ça va super, à part que j'ai une oreille qui est bouchée ah. Donc euh, si vous me voyez que je vous entends pas ou qu'il y a un problème N'hésitez pas, pas à me faire des Je sais pas, 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 mon oreille elle veut pas bah c'est toujours fait... un truc chelou toi Ça aussi. fait 3-4 jours qu'elle elle veut pas Donc euh, j'espère que je vais pas en train de piquer en tout cas euh, Poinot Alors oh comment ça, va ça, ça voulait Poinot, Poinot, Poinot Pas vision. T'as dû me saouler ce week-end, c'est pas ça Exactement ouais. Non 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 ça va, non, ça va. Marre, Alors en au figuré <laughs> ce qui s'est passé à Bordeaux reste à Bordeaux. Ça évidemment. restera à Bordeaux. Voilà, entendu, trentaine, trentaine, ça y est, on est plein dedans, mais ça va. Nickel. On reçoit un petit maillot en plus pour l'invité du jour. Il m'a dit, franchement, ça régale. Donc, euh, très content. Petit flocage David Silva en plus. Ah, J'espère que le chat joueur. est connaisseur de foot hein, quand même, hein, que ça leur parlera. Ah bah ah, bien oui, sûr, quand même, quand même. ici, Attends. avec des connaisseurs. Plutôt, ah ouais, ah, sont ah, David Silva, c'est pas non plus la renaissance. on n'en parle pas assez par contre. Je trouve quand on évoque des bons joueurs, il revient <laughs> rarement son nom. Je l'avais dit en live, il pas si longtemps Il y a des joueurs, tu vois, quand tu dis sous-côté. Il ouais, y en a qui il reviennent, a genre partie. Modric, Son. Ouais. Faut enfin, arrêter, c'est bon, on les connaît. Ouais, tous. Ouais, ouais. Par contre, David Silva sur la carrière globale, il a son mot à dire sur ouais. le, le fait d'être sous-côté. Je suis d'accord. J'ai tu as vous. des choses à dire sur David Silva ouais, on, on est carrément lancé. <laughs> T'es chaud. Et on a aussi Kanto uh, qui est là avec nous. Comment ça va, Kanto Écoute, ça va. Euh, a perdu. L'OM ouais, a perdu. J'étais là. Après, euh, j'ai besoin d'oseille. Donc, faut que je vienne de temps en temps. Mais non, je suis venu que pour l'oseille, hein, pas pour faire l'émission. Donc, voilà. Vous attendez mais... pas à trop m'entendre parler ce soir. Acte de présence. De toute façon, s'il si n'y avait que ceux sur le plateau dont leur équipe avait gagné ce week-end, je crois que. Enfin, y il n'y aurait, aurait pas d'émission. Il enfin, n'y aurait personne. Très ça. clairement, dans l'émission, ça ne se ferait, euh, se ferait pas du tout. Et bien sûr, Bruce Granek, qui est là. Comment il va Qui a vécu une soirée assez mouvementée hier soir. Comment ça voilà, il y avait moyen peut-être d'aller prendre un point, mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. Monsieur Buquet on a l'habitude aussi, hein, donc euh, c'est donc ouais. comme ça. Ouais, on ne fait pas tout, je ne vais pas mettre tout sur lui, mais il m'a bien saoulé quand même hier. L'arbitrage, la, la, on, on va en parler on aura les avis de, de tout le monde. Alors, euh, juste avant d'accueillir notre, notre invité, messieurs, euh, le sommaire de cette émission preview des clubs euh, français en Champions League, bien entendu, et peut-être un petit avis sur, sur les autres matchs. Ce que vous attendez, vous aussi sur le chat, vous pouvez euh, nous le dire, bien entendu. Des briefs de la 7 journée de, de Ligue 1 avec euh, les clubs olympiens qui, en ce moment, vont plutôt, plutôt mal, dont un en particulier. La victoire des Rennais face au Nantes, je viens juste d'en parler. La belle victoire de Montpellier. Notre tour d'Europe avec quelques chocs, celui entre Tottenham et Liverpool, bien sûr, celui entre Leipzig et le Bayern, la défaite de Manchester City et plein d'autres rencontres. Et donc, comme je vous le disais, notre notre invité qui sera qui sera là juste avant, juste avant. Je vous le rappelle, Winamax nous a nous a rejoint, nous a re rejoint. Ça se dit pas, mais je le dis quand même. La semaine passée, c'est officiel, ils nous accompagneront pour toute la saison. Merci beaucoup à nos amis de, de Winamax de nous. De nous faire confiance, ça nous fait super plaisir. Donc sachez que comme d'habitude, il y a le petit bonus de bienvenue, il y a les petites offres de départ. Et je commence avec celle-là. Vous déposez 100 euros sur le site winamax.fr ou sur l'application, vous avez 100 euros en pari gratuit. Votre premier dépôt, il est tout simplement doublé. Et avec le code orge10, vous avez bien entendu un petit bonus de, de 10 euros qui va vous permettre, bah, voilà, de, de, de vous amuser encore plus. Et il faut noter, bien sûr il faut absolument faire un dépôt minimum de 15 euros je vois Bruce rigoler ça lui fait super plaisir et moi aussi hein, d'ailleurs je euh... suis toujours heureux avec vous donc toujours euh, heureux, vous ouais, me donnez ouais. le sourire tout le temps encore plus quand on parle de vous notre me donnez la banane ouais. <laughs> ça, ça ça me plaît pas mal mais il faut quand même rappeler <laughs> quand, non, <pourquoi> <laughs> il faut <laughs> bizarre bizarre l'ambiance aujourd'hui il faut quand même rappeler qu'Antoine comme tu n'étais pas là la semaine passée que c'est toi qui le fais le mieux que les paris sportifs attention ça reste quand même dangereux ouais c'est dangereux il faut comme d'habitude allouer un budget qu'on peut se permettre de perdre il faut s'amuser simplement et ne pas penser qu'on peut gagner sa vie avec ces jeux parce que sinon ça peut vous mettre dans des situations très périlleuses. Ouais, voilà, c'est ça, des situations euh, qu'on qu ne vous souhaite absolument pas. Et bien sûr, si vous n'êtes pas majeur, bah, vous ne pouvez pas parier. Messieurs, il est prêt, c'est maintenant. On l'accueille, c'est notre invité, Benjamin Da Silva, qui nous rejoint. C'est parti. Ça va, <laughs> ça va Ça va, ça va D'accord. Oh là, oh là, oh là, il oh sait accueillir. Ça, il ah sait bah, accueillir, petite. hein. Bon. Écoute. Mais je je dois, dois, dois m'occuper, tu vois, de, de, de gérer ta place. C'est es... vrai. Un pour mais je sais Alors déjà. C'est quoi et... je les du goat, je les Non. Mais Benjamin vrai qui est venu avec ah. un cadeau. Mais c'est vraiment un cadeau, <laughs> mais est vraiment un cadeau ouais. Monsieur, Oui. je il est très bien, je pense ouais, <laughs> Dépile-le, dépile-le. <laughs> on on va voir. <laughs> À limite, tu le Ça part à combien sur le bon coin, ça? Mets-le, mets-le! Oh, ça, ça c'est ouais. sale! Ça, -le, mais le plus! Mais non, une... mais, mais juste, à souligner non, mais sais, tu as souligné quelque chose. Non, mais tu peux quand même le montrer. le tu montrer! Peux... Bah oui, montre-le! Mais bah, avant, euh... ça, avant ça, j'aime beaucoup Cristiano Ronaldo, j'ai beaucoup de respect pour mais lui. Mais qui te dit que c'est le maillot de CR7? C'est Nani! Mets-le! Mais le Mais oh, on on voir, voir respecte voir, on les invités, enfile-le! Voilà. On veut voir le magnifique. On Mais, ah. Mais d example, d example, respecte voilà. Beaucoup et merci pour le cadeau! Voilà, écoute, c'était dans, dans le placard à l'extérieur, je dis qu'est-ce qu'il y a <laughs> là-dedans? Je vois le placard! Dit ah, c'est pas un cadeau de toi! Bah non, ça. Ah, va pas Je suis dégoûté. <laughs> ah, moi, j'étais heureux. Moi, mais par contre, je garde vraiment le maillot. Si c'était une blague, ça ils... Ils fâche. Je repars avec. Après, tu fais ce que tu veux avec. Ah, je repars euh... avec, merci. Voilà. Et franchement, Benji, t'as fait la, la, la plus belle ah ouais. entrée de l'histoire de hors jeu. Alors la, la, ah, la, la, là, il y a là, personne là, qui a fait une entrée comme ça. Okay. Euh, on a invité, qu'on a reçu, c'est incroyable. Moi, bon, bon, bon. bah, merci de m'inviter bah, merci pas. à toi. Merci à toi d'avoir pris ton point. Je vois la télé aussi pour travailler. Ça peut me. Mais depuis quand tu travailles, toi J'essaie de faire semblant, mais c'est sympa l'ambiance. C'est sympa un les gars. Bah, pas... Bienvenue, bienvenue. Ah, okay. C'est comme ça. Et encore, là, c'est, là, c'est hein. Là, c'est assez tranquille. Okay. Et il y a des fois où c est, c est bon. ça part un petit peu plus en vrille. Comment ça va, Benjamin Très bien. Franchement, euh, ouais. ça, fait, ça fait trop plaisir de, de te voir là. Pas de match à commenter ce soir. Parfois, il y a des matchs. Euh, non. Le... C'était hier, demain et mercredi, Ligue des Champions. Ouais. Et puis le week-end prochain, la Liga. Donc, la Liga euh... qui reprend. Oui, ouais, exactement. Donc, euh, non, le, la, bel, la belle routine euh, ouais. qui nous accompagne. Quoi. Et on, on a beaucoup de choses à, à se dire avec Oulah, Benjamin. Ouais, ouais, bah oui, forcément. On va parler un peu de ton parcours. Parce que, alors, pour, pour rien vous cacher, pour ceux qui ne nous ont pas vus euh, il, il y a quelques années, on avait déjà reçu Benjamin, mais c'était en remote. C'était en, en distanciel. Ouais, Et on a eu quelques problèmes de connexion, on ne va pas se mentir. Voilà, c'était <laughs> compliqué. <rijk> Donc, podría. On foiré. On s'est foiré. Il faut le dire, ça arrive. C'était les débuts. Donc, là, on va reparler un petit peu de ton parcours. Benjamin, Benjamin, qui est donc depuis un petit moment maintenant commentateur dans les jeux FIFA, dans la série ESports oui, oui. FC. Pardon, attention, je vais, je vais m'y faire. Ouais, on, va, on va parler de ça, on va parler de la Liga, de ton duo avec Omar. Il y a beaucoup de choses à, à, à se dire et on va commencer dès maintenant. Benjamin, est-ce que tu peux nous, du, du coup, nous rappeler un petit peu comment toi, tu es arrivé dans ce milieu-là finalement à devenir un des commentateurs incontournables du, du football français Alors, moi, c'était mon rêve de devenir journaliste sportif, c'était mon rêve de commenter le foot à la télé. Et, euh, mais sauf que j'avais aucun accès, je connaissais personne dans le milieu, euh, j'étais pas doué pour les études, c'est-à-dire que je pouvais pas faire une grande école de journalisme qui allait m'emmener euh, 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 vers la profession. Donc, en fait, euh, quand j'ai eu mon bac, moi, j'ai été tapé aux portes directes. Okay. Donc euh, j'ai été tapé à toutes les portes, les chaînes de télé, euh, les radios, la presse écrite, euh, voilà, donc en parallèle de ça, j'ai fait des études à la fac en communication. Mais surtout en parallèle de mes études, j'ai voilà, commencé à bosser très tôt, très jeune, parce que moi je voulais être sur le terrain. D'accord. Je voulais apprendre sur le terrain, je voulais me former sur le terrain. Et voilà, j'ai commencé, j'ai écrit des articles de foot sur l'équipe de, de ma commune. Biche, de 80... ouais, ouais, voilà, même pas. Au début, tu fais ça, t'es gratos. Quoi, ah tu ouais, c'était même pas Ah ouais, de... non, okay, tu fais ça vraiment par passion pour okay. commencer, quoi. Ok. Et puis progressivement, bah voilà, tu, tu rencontres du monde, parce que ça, c'est quand même très, très important. Tu rencontres une personne qui croit en toi, qui te fait confiance. Et voilà, et puis il faut être actif, il faut se bouger. Moi, je dis toujours c'est important de se bouger, de ne pas attendre que les choses se fassent. Il faut pas écouter les discours négatifs. Il okay. faut croire en soi. Et moi, je m'étais toujours dit, quand je regardais le foot, quand j'étais gamin, moi, je voulais, j j je voulais faire comme ces mecs-là, tu vois, que je, je voyais à la télé. Et je m'étais toujours dit, voilà, euh, s'il lui est arrivé, peut-être que moi aussi, je peux le faire. Et je pense qu'il faut aborder les choses comme ça et se dire que. C'est possible quoi. Ouais, c'est un peu le, le, ce qu'on qu entend très souvent parce qu'on on, on a reçu euh, d'autres commentateurs hein, qui, qui sont venus euh, discuter avec nous. Mais il y a ce côté, oui, où euh, tu es obligé un peu d'aller de, de, taper aux portes. Et, 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 et c'est vrai que c'est un chemin qui parfois peut, être assez, euh, peut faire assez peur pour certains parce que tu ne ouais. sais jamais si finalement ça va marcher à la fin. Donc comment tu t'accroches à ce... Ah, mais de toute façon, ça marche. Quand tu tapes aux portes, as... Enfin, Tu sais, au début, 90% des réponses que tu te prends, c'est des réponses négatives. Hein. Même quand tu fais des demandes de stage, des trucs, on te dit non, non, euh, c'est bon. Donc, euh, c'est. Moi, j'ai. Voilà, il ne faut pas aborder ça en se disant, ouais, c'est vrai que c'est dur. Mais moi, je pense qu'il faut se dire, voilà, c'est excitant, c'est un défi. Il faut, il faut gravir la montagne. Ouais. Et euh, il faut voir le bon côté des choses. Il faut essayer de. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde. Je sais que ce n'est pas facile pour certains. Mais voilà, il faut, il faut y croire. Moi, je dis ouais. toujours, il faut y croire. Il faut croire en soi. Et et se dire que c'est possible et qu'à un moment il faut de la chance ouais. c'est sûr mais la chance elle viendra il faut, il faut, il faut une petite part de, de réussite Kanto euh, ouais. <laughs> ouais bah là j'ai vu une question dans le, dans le chat il y a des gens qui demandent est-ce que c'est une bonne situation commentateur c'est vrai que derrière le, le, le côté commentateur on pense bah, qu'on est proche des footballeurs professionnels que c'est le milieu de la télévision et que forcément il y a il y a beaucoup d'argent, mais pourtant il y a une réalité dans le journalisme, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui aujourd'hui sont dans des situations un petit peu périlleuses et, et galèrent à devoir rédiger, rédiger, rédiger pour bien en vivre. Parce que commentateur, justement comme toi, parmi les, les meilleurs commentateurs français, c'est une bonne situation pour ceux qui voudraient le devenir. Ouais, c'est une bonne situation euh, parce que j'ai aussi, tu vois, en parallèle, esports. Donc euh, oui, c'est une bonne situation. Je... Mais. Au-delà de ça, c'est. Moi, c'est plutôt, j'ai parlé parler, tu vois, c'est le plaisir que tu prends. Oui, ça oui. c'est Tu vois, c'est ça en fait qui est, qu est inouï quand tu te retrouves dans, dans, un, dans un stade, tu vois. Enfin, c'est. Moi, ce qui est fort, c'est de réaliser les rêves d'enfant. Tu vois, tant que je suis émerveillé quand j'arrive dans un stade, tant que je suis heureux de faire ce métier, euh, je suis content. Donc, oui, moi, ma situation est, est bonne, mais c'est pas le cas de tout le monde. Tu en as, la situation, elle est extraordinaire, et tu en as pour qui la situation est. Est difficile et c'est la réalité du milieu, mais je pense que c'est pas propre uniquement à, à notre métier. Donc, ouais, euh... puis il n'y a, a pas que le côté financier. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, par rapport au temps, je sais pas si vous vous rappelez, quand on faisait l'IAFC, ouais. euh, compétition quand on... sur FIFA, ouais, sur FIFA, ex exactement, quand on gagnait les compètes, on allait faire des finales derrière sur les, dans, dans les stades. Et je me rappelle quand j'étais plus petit, je allé à Gerland faire faire ces pieds d'hiver et qu'il fallait jouer debout, t'avais les mains, c'était Et <laughs> je me rappelle ce jour-là avoir croisé Margoton en bord de pelouse et moi j'ai toujours voulu devenir commentateur aussi. Et quand je voyais Margoton, c'était pour moi waouh, c'était incroyable de le voir. Mais quand je voyais Margoton en bord de pelouse, discuter avec des joueurs de de, de l'Olympique lyonnais, discuter, enfin euh, avoir accès à la pelouse, tout ça, je me suis dit putain, c'est vrai que ce métier de commentateur, il y a quand même de belles choses. C'est d'avoir ses accès privilégiés dans les stades, de fouler la pelouse, de pouvoir côtoyer les joueurs, exactement de ça. pouvoir vivre le truc vraiment à fond. Et nous, on l'a vécu à Lens là récemment. Quand arrives et que tu es en reconnaissance de la pelouse avec les joueurs en train de discuter, de croiser du du monde, des gens que, que tu peux kiffer, bah c'est aussi ça en ah, fait. C'est euh, une interview au de Kanto ou de Benjamin non, non, mais, cas, non, mais, <laughs> non mais <laughs> il, il est, il est non mais non, contre, tu est, ah, pas pas, il est Non mais ne pas lui avoir posé la question. c'est pour ça, il est d'accord. <laughs> tu sais il y a un gros fantasme sur genre tu fais de la télé donc tu gagnes plein de thunes. Exactement. Y a pas mais non c'est pas toujours le cas enfin tu vois ce que je veux dire t'as des des rémunérations très enfin je oui ça peut varier. Bien sûr bien sûr c'est comme dans tout corps de métier mais ce que tu dis c'est vrai c'est parce que nous, on arrive, on arrive dans les stades, on est là 2-3 heures avant. Oui. Et tu, tu, tu passes dans les couloirs, tu passes proche des vestiaires, tu vois les joueurs. Donc, ouais, ouais c'est ça, ça qui est magique. Ça, ça c'est ouais. énorme. Pipion, c'est vrai que toi, tu étais un petit peu là-dedans aussi. Toi, tu journaliste et tout. Donc, forcément, toi, tu as vécu un peu ce truc que, que Benjamin a, a, a vécu au début est-ce que c'est une bonne situation, ça, scripte aux journalistes Non, mais oui, on fait un métier passion, donc c'est forcément quelque chose d'assez incroyable. Et les écoles journalistes tout ça, c'est vrai qu'on peut penser que c'est bouché, mais il y a de plus en plus de profils, que ce soit de ta génération ou d'autres, qui arrivent vraiment avec cette volonté, qui peuvent réussir à percer. Moi, j'avais une petite question, c'est tout simplement, tu as parlé de quand tu regardais, est-ce que tu avais un modèle de commentateur Est-ce que c'est Gilardi, Est-ce que c'est Margoton Est-ce que c'est un peu plus ancien Est-ce que c'est quelque chose, ou même à l'étranger, une influence qui t'a plu Alors, moi, aujourd'hui, je suis très influencé par euh, moi je vais souvent sur euh, YouTube et je regarde les vidéos des commentateurs sud-américains ah j'adore okay, ça ok parce que le, le, la langue s'y prête ouais. voilà le phrasé est trop beau euh, l'élocution c'est c'est magnifique je trouve euh, moi euh, c'était quoi déjà tu disais sur le le modèle parce que quelqu'un alors en fait moi quand j'étais gamin j'aimais beaucoup euh, euh, Charles Bietry ah oui bah oui euh, parce que je trouve que Charles Bietry il... Il, il racontait vraiment les matchs. Il avait des anecdotes. Euh, C'était hyper agréable. Thierry Gilardi, évidemment, qui est, je pense, la référence euh, pour, euh, pour nous tous. Euh, moi, j'aimais beaucoup aussi un journaliste qui s'appelle euh, Philippe Bruet, qui présentait euh, sur Canal, qui faisait beaucoup de choses. Et, et il, avait, euh, il avait, comme, comme Pierre Sette, quand il faisait l'équipe du dimanche, il y a très longtemps, ils avaient ce, ce grand professionnalisme et toujours un, un, un sourire, une sympathie à l'antenne. Et, et ça, c'est toujours quelque, quelque chose que j'ai adoré. Tu vois euh, paraître comme ça euh, sympa et donner, donner aux au gens l'envie de, de regarder mmh, ça c'est ça c'est c'est vrai que là tu nous fais remonter des noms euh, Bruce <laughs> d'une du, du, époque bon, il y en a qui ne connaissent pas mais tu vois moi, qui nous moi des ouais, petits, ouais. Euh, nous, ça c'est ouais. ouais, forcément Bruce je te laisse non peut-être une question parce qu'on sait que maintenant bon c'est ancré avec euh, Omar etc mais comment ça s'est passé tes débuts avec lui alors je sais pas exactement ça fait combien d'années maintenant que Demi vous êtes depuis enceinte, 2012 mais... Ouais voilà ça commence. On, euh, ça on est mariés depuis 11 ans. Piche, ouais. <laughs> piche, on n'a pas été invité. C'est pas mal. <laughs> mais du coup, les, au tout début, comment ça s'est passé Parce qu'on sait que c'est aussi un sacré personnage. Est-ce que tu t'es dit oula là euh, Qu'est-ce que ça va donner avec lui ou tout de suite ça a moi, pité... je me, moi, moi je me suis dit ça va être génial. Ouais, ah, ouais. Direct, tu moi dit, ouais. je me suis dit ça peut être génial parce ouais. que tu vois comment il est. Oui. Redo sens... Redondo, on en parlait avant. Voilà. Non, mais non, mais. C'est énorme ça. Omar, ah, ah, moi et c'est ce que j'aime chez lui. Et c'est ce que j'aimais au tout départ quand je l'ai rencontré comme ça, c'est qu'il est différent. Ah oui. C'est pas, pas un consultant comme un autre. Ouais. Tu vois, il va dire euh, ce qu'il pense, il va être dans les émotions, il va être dans la Plus sensation. Il y a petits accents il, et bah, tout. Il y a, a, a sa voix, son ouais. accent, et puis il y a son ouais. phrasé, ouais. il y a toutes ces phrases-là. Il a des expressions de ouf, il sort ouais, des Il chante même. Oui, il chante. Non, mais c'est un vrai personnage, tu vois, c'est un showman. Mmh. ouais, aussi un peu. Exactement. Non, mais c'est vrai. Et moi, tu vois, de me retrouver comme ça avec quelqu'un de différent, je me suis dit, ah, on peut vraiment, si je m'adapte bien, si je fais bien le truc. Et on peut vraiment on peut vraiment vu le musée. potentiel direct quoi. Ouais. Je sais pas j'ai eu le potentiel direct, mais en tout cas j'étais très content d'être avec lui tout de suite. Et je prolonge un petit peu la question de Bruce. Comment il est né le duo En fait, c'est qui est venu vous voir pour vous dire vous deux vous allez vous allez commenter Est-ce que ça s'est fait comme ça parce que vous aviez une affinité avec euh, l'Espagne et la Liga ou est-ce que il euh, y a eu quelque chose à un moment où euh, Bean s'est dit on va créer des duos et, Non, euh... c'est Charles ou Florent Ozo à la création de la chaîne. Ils, voilà, ils ont ils ont créé des duos, quoi. Tu vois okay, okay. Donc euh, donc moi quand j'ai été embauché, on m'a dit tu vas faire euh, la Liga. J'ai ouais. dit ok. J'avais euh, commenté au tout début avec Sony Anderson. J'avais fait quelques matchs avec Sony, à qui après lui est passé en plateau. Mm -hmm. Et ils m'ont mis avec Omar okay. euh, Voilà. T'as sur surfiler parce assez... que la Liga en plus à ce moment-là. quand non, attends, Tout le monde et tout, tu te dis c'est un truc de non, fou. Mais attends, quoi. mais pour moi, Bruce. Moi en plus, quand je signe à Bin, c'est mon, je signe mon premier CDI. Ouais. Tu vois, moi avant j'étais pigiste, j'étais, je bossais en freelance. Et tu vois, donc là moi, je, déjà je vois Bin, Bin qui se crée, je signe un CDI et on me dit attends. Tu vas faire la Liga, tu vas faire Real ou Barça. Ça va. Mais ouais. je Batman. me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Et on enchaîne avec la Ligue des Champions, les Classicos, ah ouais. et puis toute la génération de joueurs qu'on a eus. Enfin, non, ça a été. Franchement, moi, moi je suis un privilégié, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Ouais. J'ai beaucoup de chance de, de vivre tout ça. La Coupe du Monde au Brésil, juste après, franchement, j'ai. J'ai beaucoup de chance. Ça, on va en parler aussi. Hein. Ça, c'est une image de vous en train d'enregistrer de, euh, ah, bah, vos commentaires pour les, ouais. les, voilà, la nouvelle série ESports euh, FC. On, on va revenir là-dessus. Pignon, tu as peut-être une question. Oui. Là. Ouais. Justement, bah, on, on parle de plus en plus des stats, de la data. Toi, comment est-ce que tu intègres ça dans ton commentaire Est-ce que tu utilises beaucoup, beaucoup de stats Désolé, c'est peut-être un peu non, 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 pas de problème, ça, ça, ça Mais justement, ah, est-ce que tu es là à ah, ouais. euh, les ça gens d'IG Comment est-ce que tu prépares aussi ça pour tes matchs Écoute, moi, j'essaye d'en donner le moins possible. Euh, parce que je trouve qu'il y en a déjà beaucoup. Okay. Alors, je ne dis pas que c'est mal, mais euh, aujourd'hui, quelqu'un qui regarde un match, il est connecté sur les réseaux. Et sur les réseaux, tu as beaucoup, beaucoup de contenu chiffré. Euh, moi, j'estime que... enfin En tout cas, moi, quand je regarde un match de foot à la télé, j'ai envie de kiffer, j'ai envie que ce soit passionné, j'ai pas envie d'entendre des chiffres trop souvent. Il faut en donner quelques-uns, c'est important. Euh, moi, quand je prépare un match, j'ai plein de chiffres, tu vois, j'ai plein de stats, j'en donne peut-être 5%, j'essaye de donner les plus importantes. Mais ouais, j'essaie de me détacher de ça et d'être vraiment dans dans le spectacle et dans l'émotion, ouais, c'est pour moi le, le... Pour moi, l'essentiel. C'est vrai que ça a un petit peu changé maintenant. Enfin, je sais pas quand toi tu compares avec euh, les, les, les autres commentateurs, tu, tu sens quand même venir ce, cette nouvelle manière d'aborder le foot, même au travers des, des réseaux. Vous, vous le voyez comment ça Parce que c'est vrai que vous avez un, un, un style de, de, de commentaire qui est euh, quand même assez, euh, assez bien marqué, euh, presque conservateur, je vais dire. Mais, mais en tout cas, il y a maintenant une différence qui se marque entre pas mal d'acteurs du milieu. Ce Qu'est-ce que, Qu que tu veux dire par conservateur bah, Conservateur, c'est-à-dire qu'un peu à l'ancienne. Attention. Tu fait, c'est un peu à l'ancienne ouais. Non, mais non, mais non Justement, <laughs> non. ils ont été précurseurs. de... non, mais de... c'est honnêtement. Euh, oui, c'est un en, en fait, vous êtes arrivés avant bon d'autres commentateurs qui aujourd'hui commentent peut-être différemment. Et, ouais, et, coup, ouais, moi, je ne sais pas comment tu te vois, toi. J'aurais jamais la prétention de dire qu'on est arrivé, qu'on a changé quoi que ce soit. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr qu'on voulait amener de la bonne humeur et de la sympathie. et et du kiff quoi ouais. bon, bah, on peut rigoler truc. avec vous quoi de temps en temps pas. comme tu dit les trucs avec Redondo ou des fois sur vos matchs on sait, sait qu'il y a des moments tu vas rigoler avec eux et c est c est c est pas ça. on n'a pas les le droits, droit, mais on l'aurait bien placé l'extrait ah, hein, le fourrir le fond 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 en Avant, moi j'étais ah, mort en même frire, temps qu'eux quand il a mis un drone dans la tribune c'est pas possible mais déjà tu sais que ça va arriver dès qu'il te le vend Tom Redondo il n'en déjà il lui dit t'es sûr Redondo il dit là tu mets la barre et derrière tu sais comment ça va finir c'est énorme quanto si tu devais euh, qualifier, définir, commenter, c'est quoi pour toi Voilà. Pour moi, c'est transmettre au maximum, c'est très cliché, hein, mais du bonheur, vraiment, ouais. des, des sensations, des, des émotions. Moi, c'est ce que j'aime recevoir quand je regarde du sport. Donc, c'est ce qu'on ce qu essaye de, de retranscrire. Voilà. La, la stat, tu sais, on en, parce qu'on en parlait, la stat, euh, tu l'auras pendant le match. Tu, tu la retrouveras après le match ouais. mais l'émotion c'est sur le moment mmh. l'émotion tu l'auras pas après tu vois, et c'est pour ça que moi je, je mets l'accent là-dessus enfin qu'on essaye de mettre l'accent là-dessus ouais. ouais, okay. vous avez intérêt de le faire c'est sûr euh, on, va, on va parler aussi un petit peu bah, du coup euh, voilà de d'Esports de, de FC FC euh, ouais. 24 même d'ailleurs euh, c'est la c'est la deuxième mouture sur laquelle euh, vous ouais. vous commentez avec comment ouais. on sent que tu es très fier vraiment de, ah, mais de, je de faire ça. voilà mais, mais tu vois c'est pareil c'est un truc j'aurais jamais imaginé ouais, ouais. tu vois c'est tu vois c'est ce que je te dis tu signes à Berlin tu fais la Real tu fais le Barça tu vas faire la Coupe du Monde au Brésil tu fais, fais euh, esports CFC, enfin c'est. Ouais. Tu vois, c'est. C'est juste. Euh, ouais, c'est vrai que c'est à Bin, les premières fois, je crois, où déjà on commençait à être un peu au courant que vous alliez le faire et tout, et c'est vrai qu'il était en kiff de fou. Mais, fin, oui, fin, mais, je oui, voyais, mais oui, mais oui. Tu voyais, t'étais comme un gosse. Mais c'est un rêve d'enfant, ouais, bah, ouais. Bruce. Moi, moi c'est comme, comme vous bah tous. Ouais. Alors, bah, moi, moi bah, j'y jouais quand j'étais enfant, quand j'étais gamin, tu vois, et jamais j'aurais pensé ça. Ouais. Et quand, quand c'est venu, j'ai dit, what? <laughs> Et il y a du boulot, il va vous l'expliquer. Hein, oui, pareil, on en parlait, c'est beaucoup de boulot, mine de rien. Parce a, que les a, gens, a, ils ouais, mais... peut-être pas, mais c'est ah, énormément de ça. Alors, alors, justement, com comment, comment ça se passe Parce que c'est vrai qu'il euh, y a énormément de, de, de noms à, à, à enregistrer il y a énormément de phrases y a énormément d'actions. Il y a eu l'arrivée des, des féminines aussi à un moment donné. Donc, ça fait énormément de choses à, à enregistrer. Comment ça se passe les sessions euh, Alors, une session, ça dure euh, 3 à 4 heures. Donc, tu es, es dans un studio, tu as un ingé son, tu as un directeur artistique euh, qui est là et qui te, qui te guide. Et puis, on est, on est face à un écran. Donc, on a zéro image hein, quand on enregistre, évidemment. On est Merci. face à un écran, on a la phrase qui s'affiche. Et on a l'intention, c'est-à-dire, on nous dit voilà, euh, l'action, elle est dans le premier tiers du terrain. Euh, là, on est au milieu de terrain. Euh, là, on est en train de s'approcher de la surface adverse. Donc, augmente le débit, augmente ton rythme. Euh, on a le genre. Est-ce que c'est une phrase qui va être pour les femmes, pour les hommes, ou est-ce qu'il va, les... va être pour les deux ouais. Parce qu'une phrase qui va être pour les deux. Ouais. C'est elle est, elle est, elle est... Est pas la même chose. Ah non, c'est pas du tout Forcément. le même exercice. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on a des indications et, et on n'a pas le temps. Il faut y aller, il faut foncer et, euh, et tu te répètes énormément, euh, c'est sûr, mais ça fait partie du, du taf, du job et, et on continue. Quoi. Et, et, et du coup, euh, c'est sur combien de temps ces sessions d'enregistrement C'est toute l'année, vu, vu, vu le volume de, ouais, pour la première, de choses enregistrées euh, Pour la première édition, euh, moi ça a duré un an. Enfin, ah clairement, ouais. Je crois pas, ils disaient 3-4 fois par semaine. 3-4 fois par semaine pendant 4 heures. Un, pendant 4 heures pendant un an. C'est ouf costaud. Hein. Ah non, mais c'est ouf. Surtout que tu vois, moi j'avais les matchs à Bean et tout. Enfin, donc, ah euh, ouais. donc, ouais, pendant un an, ça a été costaud et, et c'est du non-stop. Tu t'arrêtes pas, t'as pas le temps. Euh, là, la, la deuxième saison, ça a été un peu moins, mais ça a quand même été, euh, on va dire, allez, six bons mois euh, intensifs. Ouais.

c'est kiffant, tu vois. Ouais, c'est long, ouais, parfois c'est pénible parce que tu te répètes pendant deux heures, tu dis la même chose. Ouais. Mais au final, au final, je suis trop content de le faire. Ouais, franchement, bah, on, on, est, on est très content. Euh, quelle, quelle a été la sensation quand tu t'es entendu pour la première fois dans le jeu Je ne je sais pas si tu joues beaucoup, mais, euh, mais, mais quand tu lances le jeu et que tu entends tes, tes commentaires, ça, ça te fait quoi Est-ce que tu n'aimes est pas Est-ce alors, que alors, tu est es content que es... La première fois que je me suis écouté, euh, on était en studio. On était en studio, le, le 23 n'était était pas sorti, ouais. euh, parce que on enregistrait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi je disais, IA, ah, yeah, écoutez, je veux, parce qu'on savait pas ce que ça allait donner. Donc moi je disais, écoutez, à un moment, ça serait bien qu'on écoute, qu'on ait un rendu, tu vois Qu'on si oui. qu ait, ouais. qu ait un aperçu. Pour oui, parce que vous avez si enregistré à l'aveugle ah, on enregistre à l'aveugle. Est-ce qu'on enregistre tu vois, Moi je veux savoir comment ça sonne. Ouais. Ouais. Est-ce que tu te retrouves justement dans les phrases, en sachant que c'est des bribes de phrases, chaque fois que tu arrives à enregistrer, est-ce que tu te retrouves dans ton commentaire original Oui. Final ouais. ouais. Moi, franchement, je suis plutôt. Euh... Enfin, IA, ils sont très contents. Euh, moi, je savais de toute façon que le résultat serait différent oui, oui. d'un commentaire en direct parce que ce que tu entends dans, dans FC, les, les phrases sont saccadées. Oui, On enregistre plein de phrases qui doivent, doivent s'agencer les unes aux autres. C'est un monstrueux puzzle. Même donc le euh... rythme, en vrai, vu que ça va plus vite euh, sur la console, tu sais, les passes, tout ça, tout est plus rapide. Donc, ouais. en vrai, peut-être ça change un peu le rythme aussi. Euh... Bah, euh, disons que c'est ce que je te dis, tu vois, quand euh, moi j'ai des, des intentions, c'est-à-dire que là on me dit c'est une, une grosse action, c'est une grosse frappe, il faut, qu, il faut que tu envoies. Euh, donc en fait il a fallu que je trouve à chaque fois un ton tu vois, qui soit tout le temps identique pendant l'année ouais, d'enregistrement ouais. sur les passes et les, les, les sessions de jeu tranquilles ouais, devant la défense, ouais, ouais. au milieu de terrain quand le rythme il augmente et voilà donc il fallait que je trouve vraiment un rythme par rapport à ça ouais d'accord et, et, et du coup euh, là euh, sans parler sans parler contrats euh, l'idée c'est de faire ça sur le long terme avec qui est c'est sur, 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 hein, sur, euh, hein. sur le long terme c'est sur du long terme c'est pas trois ans et après on change c'est sur le long terme <laughs> c'est sur le c'est des très belles perspectives puisque sont... <laughs> 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 la maison secondaire c'est pour quand du coup près de la mer non mais non ben très bien c'est les fraudes, c'est ça Oui, oui, ça, oui, ça, oui, oui. Plus ah, ah, du Twitch ah, Game. Ah, voilà, c'est bien nous. Et, et, et Omar, euh, dans tout ça, lui, euh, avec lui, euh, c'est vrai que vous commentez tous les matchs ensemble, mais finalement... Vous vous êtes vu beaucoup plus du coup, non euh, Avec les sessions d'enregistrement que les matchs une fois par semaine, non Non, les matchs, on en fait quand même plusieurs par semaine, mais oui. les sessions, si tu veux, c'était divisé en trois. J'avais des sessions seules, Omar avait des sessions seules et okay. on avait des sessions en duo. Okay. Mais les sessions en duo étaient moins nombreuses. D'accord. voilà. Okay. Mais okay. on s'est quand même vu souvent en studio et c'est vrai que dès qu'on était ensemble en, en session, on s'est dit là, il faut vraiment qu'on personnalise à fond, ah, ouais, qu'on ouais. qu joue sur la, le duo le duo, absolument. Parce que tu vois, là, je savais ce qu'il allait dire. Donc, tu vois, là, je pouvais lui répondre au ta côté. tac, au tac ouais, tu, tu vois rebondis. Ouais. Exactement. Donc, non. là, on vraiment, on pouvait jouer sur la complicité. OK. Et quelqu'un veut poser encore une question sur CFC peut-être Une euh... question sur les thunes, non ouais. <laughs> Il l'a bien je... fermé. Je... Euh... Laisse-moi 30 secondes, je peux t'en trouver. <laughs> non, non, je... non, non, justement, est-ce que c'était un. Tout à l'heure, tu as parlé de, de l'accomplissement de, de, de ce rêve de gosse, de pouvoir apparaître sur un jeu, en tout cas de poser ta voix dessus. Est-ce que c'est un accomplissement professionnel aussi De se dire que. Non, de tous les, la multitude de commentateurs français, t'as été pris quand même pour être le représentant sur les jeux vidéo de, de cette voix Alors pour moi le, le, le vrai et le premier accomplissement professionnel, c'est Bean Sport. Ouais. c'était ça mon rêve d'enfant. Tu vois, tu, 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 moi mon rêve d'enfant, c'était d'être journaliste commentateur mmh. de foot. Donc l'accomplissement, il est là. Après tout ce qui vient après, on va dire c'est une forme un peu de Consécration, sait je sais pas, si on peut dire ça, ça, ça fait un peu prétentieux, mais euh... oui, c'est quelque ouais, chose si, de flatteur. Ça, dire, euh, oui, si. Ouais, c'est voilà, c'est flatteur. Oui, ouais, ça. exactement. C'est, si, tu vois, j ai, j ai... Mon premier rêve, c'était vraiment d'être journaliste. Oui. Donc voilà. Donc maintenant, tout ce qui arrive, en plus, euh, c'est un gros kiff, quoi. Mm. Et j'espère que c'est pas fini. Qu'il va se passer encore plein de choses. Toi, tu voulais pas devenir joueur de foot professionnel. Si, monde, si, si, aussi. Si, aussi. <laughs> mais j'ai vite rendu Juste compte te... que j'étais éclaté. <laughs> tu jouais <quelque> <laughs> je jouais poste Je jouais droit. Parce que je courais, je courais très vite. Ah ça. Des bas, ça va vite, petits appuis. Exactement. Bah les joueurs techniques quoi. Ouais. Et oui. Voilà. On vous laisse hein, <laughs> si vous voulez tous les deux. On, ouais, ça bah, ça on est là pour parler <laughs> un peu de foot. Ah, ouais. ouais. C'est ouais. ça doit être le maillot ça. <laughs> euh, alors euh, Benji, on, on a encore quelques, quelques <laughs> sujets à avoir avec toi. On va parler peut-être un peu plus foot maintenant et on va parler de la Liga. On ouais. t'a même d'ailleurs fait préparer un, un petit 11. On va voir ça tout à l'heure. Oula. j'espère que t'as pas trollé là. Oh, euh, pour, pour, non mais pourquoi, pourquoi tu lui mets la pression bah, Parce que vu, 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 vu comment ça a commencé, j'espère juste qu'il n'y a pas une entourloupe. C'est juste ça. Écoute, Bra qui me dit c'est après il me dit « Ouais, envoie-moi un 11 et tout. » Mais je lui ai dit « Bon, est-ce que je fais un 11 des meilleurs joueurs que j'ai commentés Est-ce que je fais un mélange des joueurs que je kiffe ?» Je sais pas, <laughs> pas trop. <laughs> j'ai euh, fait un truc, euh, on va voir ce que c'est. Tu un truc J'ai fait un truc, ça tient clairement <laughs> la route. Voilà, ouais. mais il y, y a deux petites surprises. Ok. Bon, petites surprises. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça <rire> <rire> On va, on va ah, découvrir oui. ça, ça tout à l'heure. Non, euh, je voulais qu'on. Enfin, on voulait parler de, de la Liga parce que c'est vrai que le championnat a, a quand même pas mal changé. On, on le sait, il euh, y, y a certains championnats quand tu as, as des joueurs euh, voilà, un peu stars comme ça qui, qui s'en vont, forcément, ça a tendance à peut-être. Euh, il peut faire décoter ton, ton championnat et c'est vrai qu'on a peut-être moins ce regard qu'on avait de la Liga à l'époque où on se disait c'est le plus grand championnat du monde parce que déjà tu as le Real, tu as le Barça. Aujourd'hui, même si ces équipes euh, continuent de tourner quelque part, ça, ça rayonne pas de la même manière. Toi, c'est quoi ton regard sur ça Est-ce que tu as l'impression que véritablement la, la Liga est en train de décoter ou alors euh, c'est juste un passage Alors c'est un passage. C'est euh, y a, y a, vrai qu'il y a, y a un creux, mais c'est normal. Attends, on a commenté des matchs, tu avais Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Suarez, déjà Neymar, par le Barça, Ramos, <laughs> Bale, Benzema, Ronaldo, Modric au top, Kroos, vater Forcément, donc quand ça quand c'est là tu profites, mais tu te doutes bien que quand ces joueurs-là vont partir ou arrêter, tu vas pas garder le même niveau. C'est des équipes où ça bougeait pas, je dire, les mecs toute leur carrière au Barça quasiment, ouais, voilà, c'est moment... resté longtemps. Est-ce que sur ce moment-là tu te rends compte que quand Bino Global fait un teasing sur ses classiques, par exemple, sur euh, les matchs de ces équipes-là, tu en train peut-être de vivre un des plus grands Barcelone, une des plus grandes équipes ah de l'histoire du on foot, a, on, tout simplement On en a conscience. C'est peut-être la plus grande rivalité qu'on ait vu entre mais deux clubs Bien sûr, à cet là ouais, Les pas. équipes, le niveau. Sur, sur, sur Bino, les, les classiques, c'était des audiences de fous aussi. La, la Terre s'arrêtait de tourner. Ouais, Moi, je, ah me ah ouais, je me rappelle à l'époque. Je me rappelle de la voix d'Alexandre Ruiz et tout sur les trucs. C'était incroyable. mais Tout le monde voulait regarder ce match-là. Là où maintenant, j'ai l'impression que même quand il y a des classiques, aujourd'hui aujourd'hui c'est ça paraît moins fort mais t'as bon, oui. quand même as quand même des joueurs mais c'est vrai que quand tu compares avec ce qu'il y avait avant mais c'est un passage t'inquiète pas que ça, ça va re vite revenir ouais. très très vite même que la saison dernière, la saison prochaine tu vas voir que t'as des infos ou quoi là non mais pas on, ce teasing, on, on là. sait <laughs> tous on sait tous que voilà y a une probabilité qu'Mbappé mais attends, imagine. Ça voilà, fait 3-4 fois <laughs> quand même. Voilà, donc tu vas additionner Mbappé, tu vas additionner euh, Vinicius, tu vas avoir Bellingham, euh, voilà, Lewandowski, Pedri, euh, De Jong. C est, c est quand même des, on parle des cracks là, tu vois ce que ouais, je veux dire. Ouais. Donc il y, y a une décote, mais il y a quand même encore un vrai niveau quoi. Ouais, d'accord. T'as l'APL aussi où c'est très costaud, ils ont des moyens de malade Bien ils sûr. Ont des équipes, donc euh, c'est sûr. sûr que t'as l'APL aussi à côté en face. Pipion. On va évacuer le, le sujet Benjamin. C'est comment de, de, de commenter Retafé Est-ce que tu t'attendais à commenter de, <laughs> du MMA un jour dans ta vie ou pas, euh, <laughs> pas mal. Euh, en plus Retafé, le pire c'est que ça fait des années que ça dure. Ah oui. Ça fait des années que ça <laughs> met des coups, que ça joue comme. De, tu l'as vu Damien Suarez faire. Euh, Mais Damien ça fait des années qu'il fait ça. C'est incroyable. C'est une horreur, franchement. C'est une horreur. Ça fait des années qu'ils font ça. Ouais, donc. Euh... Donc euh, ouais, j'ai euh, été habitué. Ouais. Ils, ils avaient une période un petit peu euh, où ils étaient euh, très très relous, où même euh, ils restaient un peu les, les premières places. Retafait, euh, ouais. Ils ont une bonne période quand même. Ouais, ils ont tapé l'Ajax en ouais. Europe. Enfin euh, Bordal bordel, ouais. ça a installé un truc. Mais là, ça tourne un peu à la caricature. Ouais ouais, ouais. ouais. non c'est pour ça et c'est bien que ça s'arrête aussi un moment parce que parce que personne prend du plaisir à regarder ça. Mmh. Mmh. Moi parfois je me dis même les joueurs, mais quel, quel plaisir ils prennent quoi, tu vois. Ouais. c'est pas c'est pas le football qu'on aime quoi. non. Ça représente pas la Liga ça. Bah non c'est sûr alors euh, en ce moment euh, quand on regarde la, la Ligue 1 un petit peu et, et qu'on voit les, les équipes <laughs> qu'il y a faut euh, vous rigoler ah, 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 oui, oui, qu'est-ce qui se passe il y a une image, le... image c'est pour ça ouais, sur là, écrans, ouais. ils sont les écrans ils sont ah, bien ouais. représentés ah, il prend par la gorge ouais. sur un okay. dribble c ah, euh... <laughs> non quand, quand on voit un petit peu les équipes actuellement euh, comment tu juges les, les, les dynamiques le Real euh, on, on en parlera nous un, peu, un petit peu tout à l'heure pendant le Tour d'Europe mais là ils sont premiers de Liga et pourtant on, on a l'impression qu'il y a quand même tout qui marche pas super bien le Barça on, on se souvient bien voilà de, des, des saisons passées où ça a été compliqué en Ligue des Champions, euh, euh, tout ça. Villarreal, ça se passe pas bien en ce moment, ils sont, ils sont pas très bien classés en championnat. Euh, on peut parler de Valence, on peut parler de Séville, on peut parler de plein d'équipes. Euh, comment, comment tu juges un petit peu le niveau des équipes et pour toi, euh, qui tire le mieux son épingle du jeu euh, là cette saison Alors contrairement aux années d'avant où t'avais que des valeurs sûres, les équipes ouais. étaient tout le temps fortes, ouais. là ça devient un petit peu. Irrégulier. Ça s'éclate en fait un peu. Ouais, et tu le sens ouais. que ça va être comme ça, la saison du Real et du Barça. Ça déroule un peu moins par moment. Ouais. Bien sûr, mmh. tu sens qu'il y aura des creux, mmh. qu'il y aura des bons moments. Euh, pour moi, le Real, euh, ne pas remplacer Benzema par un joueur du même niveau, c'est trop problématique et ça va, ça va, je pense, en Ligue des Champions, tu vas le payer. Mmh. Euh, Le Barça, euh, je trouve que là, les arrivées de Cancelo et de João Félix, ça a vraiment bonifié l'équipe. Après l'aéro-milieu de terrain, il y a quand même pas mal de, de blessés, donc de pépins, donc ça c'est dur. Moi je pense que l'Atlético de Madrid. Euh, quoi pas genre. mal, hein même au niveau ah, du jeu, ça joue, très ans, bien, euh, ça joue très bien. Temps, Ils hein. ont un vrai effectif. Ouais. Donc, moi je pense que ça peut être l'Atlético champion d'Espagne. Ah, tu mettrais une petite pièce sur l'Atlético du coup euh, Je pense, ouais, parce que tu vois, on les a fait encore hier. et Il manquait euh, Morata, il manquait pas mal de, Il manquait Lémar, euh, il manquait même Fils de Paille. Et ah, puis la dernière fois contre le Real, ils, ils, ont, ils, ont ils, ont ils ont été exceptionnels. Hein. Ah ouais, et contre le Real, ils ont très bien joué. Ouais. Hier, ils, ont, ils, jouent, ils jouent vraiment bien. Tu vois, et, et donc, euh, non, non, l'Atletico, je mets une pièce dessus. Ouais. Alors, on, on a lancé un petit sondage sur le chat. A priori, si je vois bien, Bruce, c'est le Barça hein, qui arrive euh, en largement là, hein. en tête Barça, ouais, à 60%. Ouais. Et Atletico devant le Real. Enfin, mm. c'est l'équipe. Okay, tu... Vas-y, vas-y, Non, mais justement, si on parle un petit peu d'Atletico, comment texpliques toi cette longévité du Cholo Parce qu'il bah, y a eu des moments euh, vraiment très bas. Bah, par exemple, typiquement l'élimination euh, avec les champions l'année dernière avec euh, ce fameux penalty, un truc <laughs> de ouf. <laughs> c'était sympa de commenter ça. Hein. Ouais, c'était marrant. Ouais, j'ai bien rires. Et du coup, quand, quel est ton regard sur Atletico et ce, ce, ce club qui est un peu particulier, qui est à fond derrière cette identité, cet entraîneur et On se demande quand il va partir, il y aura un vide qui sera immense. Quoi. Déjà, je pense qu'il il est là il pour encore quelques temps. Euh, c'est pour moi un entraîneur enfin euh, si tu, tu vois, c est, c est, je crois que c'est l'entraîneur le mieux payé au monde ah, c'est euh, un truc de fou lui. et de, lui si tu le licencies tu, tu lâches un chèque monstrueux quoi. Oui. et voilà donc euh, mais même dans les moments les plus durs tu vois ils l'ont maintenu ils l'ont gardé et, et tu vois aujourd'hui ça repart hyper bien donc euh, je trouve quand même qu'il a le mérite par moment de s'être remis en question euh, d'avoir euh, incité ses joueurs à évoluer différemment et, et là sur ce qu'on voit là franchement c'est euh, vrai qu'en 2023 c'est un Atletico qui fait super plaisir enfin tu as dit il y a des ah joueurs ouais. qui sont bien mis en condition il y a un petit peu de changement de système de temps en temps j'ai l'impression que c'est sur la deuxième saison ouais. sur la deuxième partie de la saison dernière pour moi c'est la meilleure équipe du mmh. championnat d'Espagne c'est l'équipe qui joue le mieux euh, et voilà et là ils sont en train de le, le faire tu as un Griezmann qui est monstrueux Oui, la coupe du monde lui a fait énormément de bien j'ai l'impression euh, que depuis la coupe du monde ça l'a remis en confiance mais de fou quoi ouais non non ils ont ils ont ils surtout ils, 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 ils ont un effectif quoi tu vois ils ont ils ont des joueurs euh, des joueurs performants sur le banc aussi. Alors Benji, on a prévu aussi un petit truc. Ouais, je sais ce que c'est. Non mais toi tu balances toutes les coulisses toi. Ah non, mais c'est les coulisses à Pour le coup les coulisses elles se sont balancées toutes. seules Je savais pas mais on a été spoil au début aussi moi j'étais ouvert, vous êtes des forceurs aussi. c'est encore un coup de poignot ça. ouais. je sais, je connais pas. Pas de là, non Non, non non, pas du tout, pas du tout, Non non, c'est ça bien Benji, je connais pas Alors, je vais à ce qu'on change par contre. Non, vas-y, je l'ai Bizarre. De toute façon, c'est pas ça, hein. ça rien. Voilà. Alors, ce qu'on qu veut, euh, Benji, bon, bah, comme euh, voilà, tout le monde est, est déjà au courant, on avait envie de te faire commenter voilà une petite action. Et forcément, pas, pas un match de foot, parce qu'encore une fois, on n'a pas les droits. Mais on voulait te faire euh, recommenter le but de Bruce face à l'Espagne. Parce que tu sais. Juste Black dealer que j'étais pas au courant, parce qu'ils vont croire, le chat, c'est moi, la Géraldine. Parce moi, je de, de Bruce. Non, <laughs> non, mais pas de capire, on va dire que voilà, euh, je suis même pas au courant. Non, c'était pas un dictateur. Vous inquiétez pas. Non, non, ah, ouais. on, on, on a, on, on s'est dit que ce serait marrant de <laughs> commenter euh, l'action de Bruce. Je sais pas si c'était chaud. T'as as besoin d'un truc, un. un petit, bah, tu, euh... tu crois que je veux dire non, non Non, non, non. non, non mais... <laughs> du coup, je suis pas chaud. J'ai pas envie. Euh... Non, mais t'es pour la voix. T'es, prêt. Non, mais c'est un plus bon. Granek. Toi, <laughs> ça sonne pas. Toi, Messi, Ronaldo, granet Imagine juste, imagine juste, c'est Messi que tu commandes. Tu l'as commenté plusieurs fois. Fais-moi kiffer, mais toi. Bon, te plaît. Alors attends, faut, la première fois <laughs> c'est... Pardon Il y a Boumé et Amine. C'est Boumé Amine. Okay. Voilà, c'est ça. Boumé et okay. Amine. Et c'est Boumé qui fait <laughs> la passe décisive. <laughs> non, non, c'est Amine. Non, c'est Boumé qui fait boumée. la passe ah, décisive. Boumé. Il fait la petite talonnade. Ah, ah, Boumé Bruce, okay. okay. okay, okay, Amine. Boumé et Amine. Boumé et Amine. C'est euh, Bruce qui finit. Ouais, <laughs> ouais d'accord. Okay. <laughs> <laughs> Allez, vas-y, on voit tout ça là. Je là-bas. Alors, je vais la lancer. Et dès que t'es prêt, on y va. On y va. Improvisation. Allez, le ballon pour l'équipe de France avec Boumé dans le couloir qui va aller travailler la défense espagnole. C'est bien joué. Il est passé. Magnifique, Amine. Boumé. Qui va donner un à. Il est seul, le crochet magnifique, la frappe! <laughs> Bombe Bruce Granek de la Russie, parce que le ballon est dévié, <laughs> mais le talent était là évidemment! Bruce Léo Granek pour permettre à l'équipe de France de mener 2 à 0. <laughs> Bravo! Ah, franchement, franchement. Ah, je vais l'enregistrer ça, le Il Bruce, est Léo Granec, <laughs> ah, là, là. Bruce Léo Granek euh, en plus! Bruce Léo Granek, franchement c'était beau. Moi j'en veux encore, moi je veux. Je je suis désolé. Non, <j> Par contre, comment comment vous arrivez à switcher c'est un truc de fou bah, de non quoi. mais vous êtes des cracks non mais à switcher à se mettre en mode casse tu vois c'est la voix t'es direct dans le ton tout ça c'est trop fort Le mec qui fait ça tout le temps ouais mais c'est trop fort franchement respect moi j'ai veux... très bien fait ça en plus un petit kiff, un petit kiff. je veux que tu te remettes euh, euh, dans, dans le moment euh le Modric exceptionniste si tu peux nous le refaire C'est c'était quand ça je me souviens bah, je sais pas, il y a, ah, quoi, il, a il y a une saison de saisons et, ouais. et tu nous as lâché un truc pour moi c'est légendaire parce <laughs> sais pas si tu peux nous, nous la refaire mais avec, avec ce que tu veux hein, de quoi je te fasse quoi Modric exceptionniste ouais Modric exceptionniste Imagine ah ouais comme ça a pris ça que oui, ah, ah, oui, ah, Bien sûr Il n'y a pas de ballon okay. Allez, Tony Cross qui va les transmettre à Luca Modric en dehors de la surface, la frappe extérieure magnifique Luca Modric Go la <laughs> <rire> Désolé que j'ai forcé mais voilà. je, le voulais, je le voulais en direct Merci beaucoup ah, Quel joueur On parle quand même d'un ballon d'or Non, même... Iniesta pas ballon d'or mais quel joueur aussi Iniesta moi c'est un des joueurs qui m'a le plus choqué ce que je crois que je n'ai jamais vu passer à côté à partir du moment où il a commencé à son top niveau il n'y a jamais eu de mauvais match toujours présent dans les gros matchs à mettre des buts un peu comme Zizou et tout mais je l'ai jamais vu faire un mauvais match mec tu sais je suis retombé sur des images sur les réseaux je ne sais plus quel compte des images d'Iniesta tout jeune candidat contre le Barça ouais. ouais ouais je les ai vus tout à l'heure incroyable il, il, mais il a, il a il, les doubles contacts euh, dans il est tous les jeune, sens c'est un de ses premiers matchs il y a le numéro 20 et quelque je sais pas ouais, quoi 24 ouais, je ouais. crois et il leur fait la misère aux Galactique, il prend ballon mieux génie, extraordinaire mais un temps d'avance ouais. tout le temps ouais, la vision de JP toujours au milieu de trois mecs à chaque fois au milieu de trois mecs il arrive ouais. toujours à ressortir le c'est des mecs le temps il s'arrête bah comme modric comme même busquets il va à deux à l'heure busquets mais tu sais, les petits crochets vraiment ouais, Il m'a leur... moins fait rêver Bousquet mais... Oui, mais Bousquet c'est un incroyable par rapport à... Oui, le gabarit qu'il fait, c'est tu sais, ouais. un temps d'avance surtout, c'est ouais. monumental. Ces en mecs. fait, c'est dans la tête, hein. ça c'est oui, euh... la prise d'info, ah, ou oui, la technique. joue dans la tête avec ces mecs-là. Ben, Benji, on peut te garder encore un petit peu, bah, on bah, va bah. parler Champions League. Vas -y, vas -y. on a pas mal de, de, de choses à voir, on enchaîne avec ça, c'est parti, jingle Champions League. Ouais. Toi aussi, on t'a préparé une, une petite ardoise. En général, on, on fait ça, on essaie de poser les bases d'un débat euh, au travers de, de questions. Oulah. Et aujourd'hui, bien sûr, on va parler. Attends-toi au pire, je rigole. <laughs> non Il a pas dit ouais. il était été patient. Ça, ça va. va, ça va. Là, je, je, je vais pas t'envoyer va dans un bourbier Pardon Tu vas jouer Ah non, mais moi je présente. Faut mais oui, mais il a écrit aussi. Il a le brassard. Alors, ça, c'est pas moi qui l'ai mis là. Apparemment, je l'ai gagné ce titre. Je l'ai copié, les gars. Tu l'as gagné bien. comment Pardon bah, Je ne sais pas si Polo m'a dit tiens, oh. tu le mérites. <laughs> Donc, ah, d'accord, ok. Il est très, très bien ici. La Champions League, messieurs, bien sûr, deuxième journée de groupe qu'on va vivre euh, cette semaine. Et le RC Lens qui va recevoir à Bollard, bien sûr, Arsenal qui va recevoir, euh, bah, on peut le dire, un, un ogre, hein, tout simplement. Alors, la question, elle est, elle est très, très simple. Le score Avec du match ça, on... Pardon le score du match Non, non, bah non. Ah bon. <laughs> je ne vais, vais, vais pas aller jusque-là. Non, la question, elle est très, très simple. En gros, c'est est-ce que pour vous, le RC Lens a une chance de créer l'exploit face à Arsenal Réponse simple oui non créer l'exploit c'est quoi un match, un match nul tu considères c'est un exploit ou faut qu'il gagne gagner je pense que c'est un exploit je non mais match un nul bon, ça serait une un un exploit il considère qu'un nul si c'est un, 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 si qu un, un exploit tu peux mettre oui donc voilà messieurs c'est une... oui ou non je vous laisse je vous laisse répondre euh, et après j'aurai une, une deuxième question bien entendu on va avoir euh, de, de, de jolis matchs encore hein, cette cette semaine alors mardi bien entendu c'est euh, en maintenant ce... pas encore pas encore j'ai t'inquiète. <laughs> je, je c'est ce fameux Naples Real Madrid dans le groupe C qui va être très 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 intéressant et pour les matchs du, du mercredi bien sûr Dortmund Milan à venir et Leipzig Manchester City de très très beaux chocs messieurs je vous laisse retourner vos, vos ardoises euh, qu'est-ce que vous en pensez Benji nous dit non ah merci Pipion. Qanto nous dit non Bruce dit oui et euh, Pipion dit oui alors on va commencer bah, honneur à toi Benji toi tu penses que non Lance ne peut pas euh, créer l'exploit face à Arsenal j'espère je l'aimerais je, ouais. je pense que la marche elle est trop qu'ils sont trop chauds les Gunners ils ont mis 4-0 au PSV la première journée, ils ont encore gagné 4-0 ce week-end. C'est euh, un club qui, qui va savoir appréhender l'ambiance, le match. Euh, donc, non, je, moi, je les sens trop, trop solides pour mm -hmm. craquer et pour, pour se manquer. Ouais, tu, tu penses que la marche <laughs> est peut-être un peu trop haute, quoi euh, Pour Lens Ouais. Ouais, je pense, ça va être, je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais. On, on demande à Pipion qui dit oui, lui. Pipion, il y croit bah, Si hein, on on dit qu'un match U est un exploit, oui, je pense que c'est possible. Le ah, truc qui peut conditionner ce match, c'est que bah, y a City qui arrive pour Arsenal. Mmh. Et je pense que c'est leur rendez-vous maintenant, bah c'est leur classico à mmh. eux. Ils sont un peu dans ce focus-là. Avoir la compo d'Arteta évidemment, Arsenal est super, même avec son équipe bis Mais est-ce que ça peut jouer un petit peu, peut-être Comme ils savent qu'ils sont un peu super aux autres équipes du groupe, ils peuvent être un petit peu en pilotage automatique. Ouais. Et finalement, bon, bah, s'ils si, si prennent un point à Bollard, tu vois, ce ne sera pas grave. Mais Lance c'est vrai que j'ai bien aimé le discours de Franquez On a vu à Séville qu'ils avaient totalement. Euh, voilà, ils ne se sont pas écroulés, même en prenant un but, qu'ils prenaient goût un petit ouais, peu à équipe Champions. Leur a fait ça, les a, ça les a relancés un petit peu en Ligue 1 ouais. et tout. Donc voilà, évidemment, ça va être très compliqué. Face à Arsenal, mais voilà, Bollard qui retrouve retrouvé Ligue des Champions, ça va être une ambiance spéciale. Je vois Arsenal gagner logiquement, ouais. mais Lens a tout à fait les moyens sur 88 de les accrocher. Ok, alors avant d'arriver sur canton on va prendre l'autre oui. C'est Bruce, c'est plus en fait, tu vois le, le nul comme un exploit et c'est pour ça que tu réponds oui, toi. Bah non, mais moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Pipion. Honnêtement, Ligue des Champions, à Bollard, etc., avec l'ambiance qu'il va y avoir, moi je vois Lens faire un match sérieux. Alors peut-être ça suffira pas, on est tous d'accord pour dire qu'Arsenal est bien au-dessus à la base, mais voilà, il y a un regain de confiance. Comme vous l'avez dit, le match nul à Séville leur a fait du bien. Ils ont gagné leurs deux matchs en championnat. Waiik a ouvert le, le compteur but et tout. Moi, je pense qu'ils peuvent faire un petit exploit. et Pourquoi pas poser des problèmes et aller accrocher un nul Après, bien sûr qu'Arsenal est largement favori, mais moi, je crois à un bon match de lance. Ouais. Alors, quant au lance, ça va beaucoup mieux. On le voit, hein, ça commence à gagner quelques points, ça commence à gagner quelques matchs. Mais toi, non. Là, pour toi, Arsenal, euh, tu n'y crois pas non plus non, non, je n'y crois pas, d'accord avec ce, ce qu'a dit Benjamin juste avant. Pour moi, Arsenal ont quand même une armada, vu qu'on compare euh, par rapport à leur performance déjà face à Séville. Il y a une armada quand même euh, et une classe d'écart entre cette équipe sévillane et cette équipe d'Arsenal, quoi qu'il arrive. Même si Lance ne balbutie pas complètement son football depuis le début d'année, parce que certes, les résultats n'étaient pas là, mais dans le jeu, il y avait quand même une certaine organisation qu'on pouvait retrouver du positif. Pour autant, on n'a pas retrouvé encore les, les trois fantastiques de la saison dernière, notamment au niveau de la charnière centrale. On n'a pas un énorme Joe Grady. On n'a pas encore un, un fantastique Abdul Samed. Et pour moi, c'est ce qui peut manquer dans des matchs comme ça, c'est qu'il faut que l'effectif au complet et la baraka pour pouvoir tenir contre les Gunners. Et j'y crois pas, je pense que les Gunners sauront faire le taf. Après, ouais. juste pour appuyer ça, moi je pense que par contre, à Lens, c'est typiquement, et surtout à domicile, le genre d'équipe qui peut se transcender. Et les joueurs, Ils etc., sont oui. capables d'être en mode patron et de te sortir un match de fou furieux. Il va y avoir une ambiance de dingue. C'est pour ça que moi j'ai envie d'y croire. Mmh. Moi, franchement, je le, je le sens venir ils vont faire un gros match. À ah, toi, tu vois un exploit avant tu, tu... Je le sens. Je sens qu'ils vont vraiment euh, ouais, poser beaucoup de problèmes à Arsenal. Enfin, ouais. leur, vraiment, en tout cas, leur poser des problèmes. Il, Il a vu le, vu le match de Joe Grady. Contre, 0, voilà. On va me le je me suis fait attraper par, par la C'est pas, pas la première ni la dernière, hein, t'inquiète. Non, <laughs> non, mais, mais c'est vrai qu'il y a des commentaires. Il a vu le match de Joe Grady contre, contre Séville-Leumann. Si tu résumes la saison de Grady sur un match, félicitations à toi pour suivre le football de cette manière-là. Moi, je le résume sur tous les matchs que j'ai pu détourner. Je résume sur un match de Ligue des Champions, je résume sur un match de championnat, enfin sur tous les matchs de championnat qu'on a vu depuis le début. Et oui, je peux te le redire encore une fois, et je regarde là quand même pour te le dire, la défense lilloise. <laughs> Cette saison n'est pas au niveau de la défense lançoise de la saison dernière. Ah, moi j'aime quand il y a du sang 100 qui sont sur cette pas au niveau de la saison passée. Oui mais apparemment, moment, puisque j'ai pas sait. vu le match contre Séville, alors je dis de la merde. Mais pourtant j'en ai vu <laughs> plein cette année Je sais pas, il y, y a combien de journées là sept, on, Voilà, on a fait, presque une dizaine de matchs. Mais là on parle d'un match. Il euh, y, y a un radar à footix qui est <laughs> dans le chat. Le radar à footix je ne l'avais jamais entendu celui-là. Bon Benji, comme tu voulais absolument savoir ce que je pensais de ce match, bah, moi je mets non. Euh, comme toi, hein, forcément, je, je pense que ça va être... Très ah, en même temps, c'est ton favori pour être... Les champions donc oui bah euh, oui bah euh, déjà ah ouais. bah oui ouais vraiment mais lui ouais, ouais, vrai, ouais. Il <laughs> United, Arsenal il a deux trois clubs en Angleterre <laughs> et Arsenal il est Manchester Artena, vois, United gagne la Ligue des Champions ouais. bah, ils en... voient le Real sauter en poule en fait en fait c'est ce que je leur explique tout lunaire. le temps c'est ce, ce que je leur explique tout le temps moi je suis un romantique du, du foot <laughs> euh, j'ai pas forcément euh, le même ressenti que, que les gens ah bah et, euh, et, et je Confirme. vois d'autres d'autres choses tu vois par exemple ça fait un petit moment que je leur dis à chaque fois que l'Angleterre va gagner l'Euro et ils sont jamais très loin tu vois ils choquent tout le temps quoi et personne n'y croit je vois personne mettre l'Angleterre favori Là pourquoi ils font une vilaine. Moi j'ai des avis qui sont très différents et très souvent je prends cher. Mais t'assumes euh... que t'es un sentiment, <laughs> sentimental Ouais, je toi, suis un sentimental. T'as un mec qui aime la série Six Fields et... Under. Ah <laughs> <laughs> ça, ça me fait plaisir. Ça, c'est la plus belle chose. Putain, tu sais que qu il qu jamais vu, me je l'ai jamais ouais, vu, fait, il me l'a tout reconseillé. Je l'ai jamais vu. Il me conseillé à tout le monde, la série. Il me l'avait conseillé, il avait même fait un trade, je crois. Il y en a, il y a ma pote qui est Jean là. Il y a ma pote, pote qui pote est là régie. Carrément, carrément je l'ai conseillé à elle aussi. d'ailleurs, c'est marrant. Magnifique. J'ai arrêté le 3ème épisode, un truc comme ça. Ça me donne envie de regarder. En fait, il m'a conseillé. Toi, il va être si haut, c'est chat. Toi, s'il n'y a pas de chat, pas prends plus de Dexter. J'ai besoin de fight. Non, non, mais merci beaucoup pour pour la petite dédicace. Non, non, mais pour pour être sérieux deux secondes. Non, je je pense que ça va être beaucoup trop compliqué pour pour Lance. Alors Lance, comme je disais, à on... Thunder, c'est ça six la série. Non, sensation <laughs> dégueulasse, mais il demandait. Le chat. Ça, Alors, Bidog je, euh, je... Ça, le français c'est pas toujours ouais. simple okay. ils, veulent, ils veulent pas entendre mon non, avis sur Arsenal non, vraiment <laughs> non non je, je, je disais que ça va beaucoup mieux euh, du, du côté de Lens et d'ailleurs euh, on le voit voilà il y voyait commence à, à se trouver avec les autres mais le problème c'est que pour moi tu t'es encore un peu trop fragile en fait tu peux pas débarquer face à une équipe comme Arsenal qui a beaucoup plus mais un monde euh, de, de, de certitude le pouvoir l'amitié oui Dans un stade comme ça attention oui moi je joué, crois des fois à ce truc là de choses t'as plein de choses mais les pour moi en fait il y a un moment donné euh, ce qui compte c'est le terrain et, et pour moi Arsenal est bien plus armé bien plus prêt euh, là ça s'est très bien placé ils en vont jeu avoir la dalle les Lançois. Hein. c'est pas le même rythme hein. ces équipes là euh, jouent, pas, euh, jouent pas jouent pas pas dans, dans le même rythme donc euh, pour moi c'est je vois je vois pas un monde en fait où euh, Lance euh, bah, peut battre Arsenal quoi ouf, ouf. Même un nul, ça me paraît, ça me paraît très difficile. Enfin, voilà. Je, on n'est pas je à l'abri d'une surprise. On avait à peu près non, mais le, le même avis le football, par rapport hein. au match contre Séville. On s'est tous trompés. Maintenant, pour moi, voilà, simplement Arsenal. Arsenal, c'est plus fort que ça. C'est pour ça, ça que lance, quoi. ça change un peu. Non, mais tout ça pour dire qu'on s'était déjà trompé une fois. J'espère me tromper une deuxième fois. Mais pour moi, c'est encore un voilà' dessus c'est vrai qu'Arsenal, par contre, pour le retour en Ligue des Champions contre le PSV, ils ont pas fait de détails à c'était plié Donc, au moins sur ça, oui, ils sont en confiance. Tiens, on s'amuse très souvent à faire des pronostics, justement, des prédictions. Euh, sur, sur la Ligue des Champions, euh, toi Benji, qu'est-ce que tu vois gagner la Ligue des Champions cette année C'est vrai que c'est toujours très difficile pendant les poules et avant, euh, mais tu vois qui, toi Pour moi, la meilleure équipe, c'est City. Ah, oui. D'accord, ok. Non, non, mais c'était pour voir si t'avais pas un outsider. Un euh, non, c'est les meilleurs ouais. la plus belle équipe, c'est les plus forts. Donc de complet, deux. après, ouais. je sais pas. Après, tu sais jamais, pff, jamais le meilleur, c'est vrai qui gagne la Ligue des Champions, mais euh, je sais pas. Moi, je vois personne d'autre, quoi. Mm, ouais. oh, ils sont bien au dessus. Ouais, ils sont ouais. trop, ils sont trop ouais. forts pour moi. Vrai, puis vrai les grosses pas. équipes, ils ont tous des manques. On parlait du Real, ils ont pas remplacé Benzema devant, bien sûr. ils ont Courtois, Milita. Non, ils le, non le, Real, le Real, je pense pas. Le Barça, on se doute qu'il y aura peut-être quelques faiblesses pour aller euh, je au bout aussi inter, comme la, comme la saison de dernière. Ouais, moi, moi, c'est une terre, c'est ouais, celle, celle une terre. Que pas depuis le, depuis le début. Je les sens monter en puissance à un moment. Même si le début de saison, ils ne sont pas ultra impressionnants. Moi, le Bayern, pour moi, quand je vois l'effectif et s'ils font peut-être quelques retouches au mercato d'hiver, ça peut être peut-être l'équipe derrière. Manque un petit truc. Je sais pas, j'attends de voir, là c'est pas le vrai Bayern qu'on voit encore. C'est de quoi ça va dépendre Ça va dépendre de, de la régularité des offensives de Niavri, ouais. de Sané, qui font des périodes où pendant trois mois c'est les meilleurs joueurs du monde et derrière pendant trois mois ils sont pas en forme physique. Mais sur ils le papier, sont pour malade. moi, c'est peut-être le plus gros potentiel et enfin, s'il y a quelques retouches au mercato divers, tu vois, ça peut être ceux derrière City. Ouais. Moi je vois que perso, mais. Bah c'est vrai, vrai qu'ils sont quand même bien armés. Et puis, ce qui est cool aussi pour le Bayern, c'est que cette saison, tu vas avoir de l'adversité en Bundesliga. Hein. Ça ne va, ça va pas être simple. Hein. Là, tu as encore fait un nul contre, contre Leipzig. Euh, tu as fait nul contre le Bayern. Euh, tu as des équipes qui sont en train de pousser. Donc, forcément, si en championnat, c'est un peu plus dur, je pense que c'est une équipe qui va devoir absolument euh, tout donner. Tu et il y a donc... le chat qui en parle. Et nous, on les a mis en outsider au début de la on saison. l'Atletico bah, a... bah, On les avait mis en outsider. Euh, ah, attention, à Vu comment ça joue et tout, ils sont en sous-marin. Cette année, tu as l'impression c'est bah, ouvert parce que personne, à part City, est bien. On sait ah, attention l'Atlético Madrid ouais, quand ouais. il y aura tous les joueurs seront revenus mmh. ouais. attention ouais, toi, tu, ah. toi, tu les vois bien faire un, un petit quelque à chose de toute façon <laughs> euh, tu les vois toujours bien ça se passe pas, pas super bien non plus hein, non mais euh, c'est ouais. vrai mais tu sens que là quand même ça repart bien qu'il y a ouais, une vraie ouais. équipe non non franchement l'Atlético c'est chaud ouais. et eh ben écoutez on, on, on va voir ça parlons peut-être un petit peu du, du PSG aussi on, on a parlé de Lens on va parler du PSG qui va affronter donc sur cette journée Newcastle euh, alors Très bon début pour le PSG face à face à Dortmund, ça c'est plutôt bien passé. Maintenant là, tu vas affronter un, une équipe anglaise. Euh, tu suis un peu le, le PSG, toi tu, tu regardes un, un petit peu j'ai J'essaie de regarder ou, euh, évidemment ouais. un max de matchs. Ouais. Non mais évidemment. Tu, on le après, sait. après le week-end, je, je bosse beaucoup, la Ligue des Champions, ouais. je, je commente en même temps. Donc, euh, donc oui, j'essaie de, de ton œil extérieur. Es ton œil extérieur. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de, Paris de de ce match ouais. et du PSG Louis Sanevierquet aussi peut-être ton regard. Oui aussi. J'étais très content du choix de Louis Sanevierquet. Euh, parce que pour le coup, tu as vraiment un entraîneur euh, charismatique qui va imposer ses idées. Euh, et si ça ne lui plaît pas, je pense qu'il n'hésitera pas à le signifier et à le dire aux joueurs. C'est quelqu'un qui va faire des choix. Moi, Je ne serais pas surpris qu'il nous réserve des grosses surprises dans ses 11. Euh, donc, ouais, non, je suis très content que ce soit Il a mis lui. Messi sur, euh, sur le banc des fois. Comment Il a mis Messi déjà sur le banc. Il l'avait fait une fois, une fois mais c'était parce qu'il était rentré un peu tard de vacances, mmh. un, un truc comme ça. Donc oui, si bon, c'est ouais. lui qui choisit si ah il n'est pas fou, hein, il, il sait. Donc, euh, <laughs> non, mais moi j'ai voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire entre guillemets parce qu'il a quand même un gros effectif, donc euh, surtout en attaque. Sur ouais, exactement. Moi c'est là où voilà, donc la gestion de Ramos aussi et tout, tu vois, vu que c'est y a les autres Français, etc. Ça, non, mais bah ça, ça, ça tu vois, ouais. je pense que lui, il s'en fout complètement. J'espère. Enfin, le, 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 j'en suis sûr, moi, le, le délire Mbappé, Dembélé, Colomoïni, l'attaque de l'équipe de machin, je pense que lui il s'en fiche complètement ouais. et que lui va avoir la qualité du joueur euh, je, enfin moi je trouve que Gonzalo Ramos c'est un, un super joueur j'aime beaucoup joueur. mais pour voilà. moi pour le moment il n'est pas logé à la même enseigne que les autres si je parle en termes de mérite, que quand je vois le début de saison de Colomouany ou même de Dembélé, tu vois, Dembélé qui a encore plus joué, ou c'est pas ultra convaincant pour il faut être honnête, mais tranquille, il faut laisser le temps au temps. Ramos, ça a pas été ultra convaincant, mais la ouais. dernière fois il m'a un doublé, tu vois, moi j'aurais bien vu titulaire contre clairement ouais, mais avec le... Moi, je suis sûr qu'avec Luis Enrique, il y a beaucoup de choses qui changer à faire. J'espère, j'espère. Pour moi, vite, il est essentiel dans la réussite ou pas du PSG, ce qu'il ah, a un que les autres n'ont pas, ce mode buteur qui ça peut, ah, là où ça peut faire la différence. il est technique, il est et t'en penses quoi du coup pour, pour la suite Est-ce que tu, tu penses que là ça peut être une saison justement avec ce, ce nouveau coach pour le PSG pour faire un truc où ça, ça te paraît encore un peu, un peu tôt Parce qu'on parle bien sûr d'une nouvelle ère au PSG. On parle d'une nouvelle ère, après ça dépend qui tu joues, c'est toujours pareil, hein, qui, tu prends, qui tu prends en huitième, qui tu prends en quart. Euh, moi je les mets pas dans les favoris. Ouais. ouais. Je les mets pas dans les favoris parce que pour moi c'est encore un club, une équipe en reconstruction. Il y a pour moi encore un vide au milieu de terrain. Euh, donc, euh, donc voilà, moi je leur souhaite le meilleur. J'espère que Paris va gagner à Newcastle, donc... Euh, donc voilà. Ok, très bien. Euh, alors, parlons euh, très, très rapidement des, des, des autres matchs parce que c'est vrai que le, le, le temps file un petit peu. Euh, je, me tourne, je me tourne vers toi, Bruce, parce qu'il y a un match quand même qui est assez important entre Dortmund et, et Milan. Ce sera ah oui, ce, sera ça, oui, ce, ce mercredi. Euh, toi, tu vois déjà euh, Paris euh, occuper la première place. Maintenant, forcément, euh, c'est la deuxième place qui se joue. Et ce match-là, tu le sens comment toi Ouais, bon, bah, on va quand même attendre de. Non, mais c'est ce que tu as dit. Il a, dit euh, fait... Oui, Il y a oui, semaines, oui. Hein, oui tu as pense. dit, bon, c'est bon, c'est fini. Je que Newcastle, et ça m'a choqué à quel point. On sait qu'ils ne faisaient pas un bon début de saison, mais ils ont fait un non-match au Milan. Ils ont été catastrophiques. Ils n'ont absolument vrai. rien fait du match. On les a pas et ce n'était pas un très bon Milan, mais Milan aurait dû gagner 3-0 tranquillement, sans forcer, mais ils ont bouffé la feuille. J'ai peur que le Milan regrette ça longtemps parce que <laughs> là, tu as deux matchs à l'extérieur d'affilée. Tu vas à Dortmund et derrière, tu vas au PSG et derrière, tu reçois le PSG. Donc, pour moi, c'est quasi victoire euh, obligatoire pour le Milan parce que sinon, là, tu te mets vraiment dans la merde pour la suite. On sait que Dortmund, c'est bancal depuis le début, même si là, gagnent. gagne. Euh, voilà, je demandais à certains qui suivaient pas mal Dortmund où ils me disaient que dans le jeu, c'était pas incroyable, etc. Mais ils ont pris des points, mais sans être euh, transcendants. Donc, euh, donc voilà, ça sent le match euh, le match où il peut tout se passer parce que Milan, il manque des joueurs au milieu de terrain. Il y a Lovsuchek qui s'est pété, il y a Kroenic qui n'est pas là. Bon, tu as Adli qui a fait des très, lui, hein. fait oui. des très bons matchs, mais apparemment, il, il sera pas titulaire. Disparu, hein. Ça sera Pobega qui va jouer là, en Ligue des Champions parce que le rythme, etc. Apparemment, mais il risque d'avoir euh, de l'influence. Enfin, il risque de rentrer en cours de jeu. Donc, match assez ouvert. C'est à Dortmund, même si ce n'est pas un grand Dortmund. Tu vois, Milan n'est pas imprenable non plus, même si mine de rien. Il y a eu la grosse claque contre l'Inter, mais sinon en championnat, c'est un sans faute. Voilà, donc c'était qu'un match contre l'Inter. On sait que ça ne leur réussit jamais. Et puis, ce match nul, encore une fois, très regrettable contre Newcastle. où Pour moi, il ne fallait pas le laisser passer celui-là. Donc, euh, à eux de, de faire un, un gros match. Voilà. Et bon, tant que tu as l'Oftus check, ça peut bien se passer. Hein. Ben, il est pas là. Ah, tu ah. m'écoutes ou. Non, non mais tu crois qu'il n'a pas compris la vanne ah, Le sec, tu veux dire est Le petit sec. Ils aiment trop l'oseille ici, t'as un peu, as... Non, mais... Non, mais... non, mais tu as compris ou pas Qui C'est -ce qu la, la, tu... la manière dont tu le prononces le chèque J'ai été dans le bain dès les premières minutes ouais, de jeu. Tu as compris, <laughs> tu sais où tu mets les pieds. Ouais. Ouais. Émission très frauduleuse. Euh, alors, euh, Panto et, et Pipion, je me tourne vers vous aussi. Quel oui. est le match que vous avez euh, sélectionné Vous, euh, sur, sur quel match vous allez euh, concentrer euh, votre attention Vous bah Maman j'ai déjà parlé, c'était Lance, donc euh ouais, voilà, ouais. je vais te laisser, je vais te laisser y aller. À bah, l'Union Berlin Braga. Oh, Qu'est-ce que t'as contre quoi. le Sporting Braga, toi Ah non, mais j'adore Moi, ah. je suis très content pour eux, visant hum. avec des champions. Non, mais c'est deux équipes que je vais suivre avec intérêt et tout, surtout dans une poule comme ça. Mais c'est vrai que si j'avais deux matchs à suivre chez les autres 14, c'est Naples-Ral Madrid. Euh, ouais. Voilà, Rudy Garcia qui était en danger, mais là, ils viennent de mettre ouais, euh, deux scores consécutifs Donc je pense qu'il est peut-être un peu en train de soulever sa peau. Et justement, j'ai envie de voir, sur un gros rendez-vous comme ça avec des champions, ce qu'il est capable de faire. Parce que bah, lui, il est avec des champions, ça n'a pas réussi forcément euh, beaucoup. Et euh, bah, le Leipzig City, voilà, euh, avec. Euh, City qui a perdu son premier match. Il euh, y a beaucoup d'absents. Leipzig qui a accroché le Bayern, euh, qui a un potentiel intéressant. Donc euh, en fait, c'est deux chocs qui me plaisent euh, beaucoup. Ouais. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, tout, tout ça, c'est noté. Et vous le savez, c'est toujours mieux de débriefer euh, les ça matchs. au Barça aussi. Donc, les prévues. Ouais, en effet. Bah, en vrai, il y a voilà. beaucoup de matchs où tu as l'impression que la première place, se joue déjà quasiment. Tu vois. Mm, mm, mm. Le Celtic Lazio va être sympa aussi. Pour le grand Matteo Guendouzi avec Deishi Kamada <laughs> évoluer sur les pelouses écossaises là-bas. Ça va beaucoup me plaire ça. United Galatasaray aussi hein, puisque certains euh, voient Galatasaray sauter United euh, cette année. Ouais, Donc euh, justement hein. on, on, a, on a un rendez-vous toi et moi. <laughs> peut que Icardi gère mieux les les petites subtilités, mais voilà c'est le petit pari voilà Très bien. Bon, en tout cas, on, on essaiera de voir si on vous fait une émission euh, débrief euh, ce jeudi pour euh, justement euh, bah, reparler de, de tous ces matchs-là. Euh, Benji, il est 19h06. Okay. Euh, L'heure passe très très vite. Hein. C'est ah ouais. terrible. Euh, mais en tout cas, nous, on a été vraiment ravis de t'avoir avec nous. Euh, tu seras au commentaire de quel match, là, euh, prochain euh, Demain. Coup, déjà, en Ligue des Champions Demain, on fait la Real Sociedad. Okay. Je crois que c'est à Salzbourg, de mémoire. À Salzbourg, oui. Ouais, Et le lendemain, on fait euh, Porto-Barça. D'accord. Oh. Voilà. Belle affiche. Ouais, 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 bien sûr. <laughs> Et ce week-end euh, je sais plus <laughs> là, 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 Je vais dans la merde Je fais ta promo plus. Je fais ta promo Attends Faut que je regarde, ah, ah, regarde. Bah, 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 Vas-y Vas-y Alors regarde, attends Hop là on va, <laughs> on va, Tu vois Je note et quoi, tout Tu les plannings et tout euh... Ouais je ressens les plannings Je note tout tout de suite Alors samedi Réal au Sasuna ouais. Et dimanche Grenade Barça Ok Voilà Très bien Et sur site Non Non, 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 vous non, vous non. Faites, euh... Dans les locaux à Abine. Ouais. En, en, en cabine Exactement okay. Très bien Eh bien, écoute Merci beaucoup Merci d'avoir invité Pour la suite Que ça continue je suppose Ouais Que de nouvelles perspectives s'ouvrent les perspectives. Non, merci pour l'invitation c'est très sympa euh, et voilà donc enfin on se connaissait un petit peu parce qu'on voyageait en sûr et donc voilà donc euh, continuez ce que vous faites et, et, bah... et ça fait plaisir de, de venir ici franchement bah, merci, merci à tous et voilà. tu reviens quand tu veux okay. enfin, vraiment ici tu es, es chez toi donc euh, bah, toi, je reviens lundi <laughs> prochain c'est bon euh, bah, ben, ben, <laughs> bah, franchement on est chaud ouais, on est carrément chaud merci beaucoup merci. Euh, Benji d'être passé et puis on se revoit très vite et il va. Il va ah, bah, ah oui, tu vas signer le. C'est le ballon euh, des, des, des invités. <laughs> On va te faire signer un, un petit ballon. Et je prends pas de thune pour faire ça. Hein. Ah, T'aurais pu prendre un ballon de la Liga. Hein. Il a le cœur sur la main. Ah, oui, J'adore. Entre Canto et, et, et Benjamin, il s'est passé un truc. Hein. <laughs> Au niveau de la thune, là, je crois que c'est deux. Ah, il chomper, il a chopé direct. Il t'a chopé, il t'a attrapé. <laughs> ah ouais. C'était drôle. Merci beaucoup pour la Merci signature. beaucoup. À Merci après, beaucoup. À Merci à beaucoup. À ciao, très, ciao. Très vite. Bye à bye. Prochaine. Et nous, on enchaîne... ouais, <laughs> Et nous, on enchaîne avec le PronoGate, les amis. Eh oui, c'est du direct. On, on est toujours là, le PronoGate euh, donc vous l'avez vu. Ah ouais? Oh, mieux vaut deux fois qu'une hein. ah il y a eu le tour d'Europe derrière aussi non ça hein s'enchaîne oh, ouais, ouais, l'émission ça va être un jingle maintenant des fois il y a des semaines tu demandes le jingle il part pas là il part deux fois mortel euh, alors messieurs le Pronogate est revenu depuis maintenant euh, vous le savez de, de petites semaines hein, désormais euh, ça nous fait super plaisir de vous ça reproposer désormais. Ce, pe... <laughs> désormais, ce petit euh, format d'ailleurs c'est vrai que euh, vous l'avez beaucoup demandé il hein. y a beaucoup de personnes qui demandaient euh, pourquoi euh, le Pronogate n'était pas de retour et bien tout simplement parce qu'on euh, était en train de voilà, finaliser euh, le partenariat avec Winamax qui, je vous le rappelle, a bien re avec nous pour toute la saison. Le PronoGate, c'est très simple, vous le savez, c'est toutes les semaines. On se fait ce petit jeu entre nous où on pronostique voilà, des résultats. C'est sympa cette saison. Et l'idée, voilà, c'est d'essayer bah, d'être de, forcément le meilleur pronostiqueur de la team hors jeu. Alors. On va commencer avec le classement euh, pour, pour faire une petite mise à jour. Ah, ah, Je crois super. que c'était Pipion qui était premier du classement. Euh, J'ai pas fait euh, une belle semaine. Hein. La semaine dernière, ouais, apparemment, ça s'est pas bien passé. Ah, et donc, oh et donc, <laughs> l'invité surprise. Oh, <laughs> Celui qu'on n'attendait pas. Euh, salut à tous. Vas-y, si, enlève ça là. Premier ex avec euh, Sipion et Zal. Zal, il euh, avait un point, il est passé à quatre, alors qu'il y, y a eu trois surprises des matchs, sur quatre. Que Il a c'était pour Revier. Ah ouais, mais Zalourin, ah, Zal, il a un pour Parce Zal, en même temps, lui. il ne pas un match, il fait plouf-plouf, pouf, et voilà. <laughs> et ils il en ont encore fait une belle hein, cette semaine. Ah, euh, ne rigolez euh, pas Zal. le FC Guest, la semaine prochaine, je suis devant vous. Ah, oui, ah oui, non, sur le MyMatch match aussi. Ah, tu l'as vu Ah oh, ouais. Ah oui, c'est incroyable. Enfin, mais ouais. Zal, il nous a envoyé un MyMatch, match il a encore fait un combiné avec euh, Paris Saint-Germain et Bappé, buteur. Il a mis cote à 5. Puis il y en a plein qui n'ont toujours pas compris comme la semaine dernière et continuer à faire des comment des euh, des my match mais avec un truc ils n'ont pas compris qu'il fallait ah. combiner des trucs. Ah, que. Euh, euh, non, non mais tu mais peux euh, faire un, un my match avec plusieurs trucs. C'est mieux quand tu mets plusieurs trucs. Non, mais le but je suis d'accord. Mais, oui. mais les gens, ils ne comprennent pas le principe. Ah, ouais, non, mais tu as, as le droit de faire un my match. Euh... Non, ça veut dire que tu as fait un my match. Un non, 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 non. un match Mais évidemment, on a le droit de mettre qu'un truc. Mais c'est vrai que la beauté du my match, chercher le plus zéro, bien On est d'accord. Oui, pas. Oui, évidemment. Honnêtement, je suis d'accord. Donc, pour finir sur le classement, Kanto, à égalité de points avec le FC Gaze, à 3 points. Et donc... Notre bon olympique y en est à nous ouais. <laughs> le salu, il Les gars c'est la deuxième journée <laughs> Bruce qui est donc dernier pour le moment Mais surtout moi c'est pas le fait que, ça que, que tu sois dernier C'est la balle qu'on paye les musiciens oui. Moi, moi c'est pas le fait que tu sois dernier Moi c'est le fait, fait, que, fait que, que tu sois de derrière le FC ah, Alors que tu les tailles tous les jours mais ça ça me détruit mais ça va pas durer Profitez, ils savent très bien ces chèvres que je vais passer devant eux Et ça. bah écoute on va suivre Ce match avec attention Alors messieurs pour les rencontres De la semaine, Naples contre le Real Bien sûr, euh, Marseille-Brighton en Europa League Arsenal Manchester City le choc l'ultra choc de vrai, là, Ligue. Pas évident. Hein. et lance contre Lille en Ligue 1 ce sera ce week-end voici les matchs qu'on a décidé de pronostiquer on va découvrir euh, les, euh, les, les pronostics que vous avez euh, lâchés messieurs moi je vois pas de là donc Bruce euh, ton, petit, ton petit commentaire euh, mon petit commentaire et eh bah ben, ça va se taper euh, en vrai à part OM-Brighton où tout le monde voit Brighton moi j'ai mis nul bizarrement tu vois t'as mis nul sur OM-Brighton ouais j'ai mis nul ils sont okay. prints ce week-end. Et... Je pense que Marseille va profiter un peu de ça. Je mise sur ça. Et je savais que j'allais être l'un des rares à, à mettre nul. Même, même Quentin, il ne m'a pas suivi, c'est dire. Ah tu as mis Brighton J'ai mis Brighton, ouais, parce que je me suis. <laughs> honteux, honteux, Qu'est-ce Qu qu'il Tu peux aucun espoir. <laughs> alors bah tu vas Je me, me suis dit, je mets Brighton. Au moins, si l'OM gagne, je suis content. Et si Brighton gagne, bah, j'aurai un point. Moi, je vais le prendre au Ça voilà. <laughs> <Il> arrive. <laughs> oh Moi, je aïe, repartirai aïe. pas tout nu comme d'habitude, quoi. Ah, c'est terrible. Et euh, Naples Real, on est trois à voir Naples. Il euh, y a que Kanto qui voit <laughs> le Real et Pipion oui. qui voit match nul. Et sinon, euh, pour ouais. le petit euh, Lance Lille, match très sympathique. On est trois à voir Lance. Ouais. Et toujours, encore une fois, c'est toujours Kanto et Pipion qui sont euh, pas d'accord avec nous, puisque ouais. ça met Lille. Et match nul. Et puis de l'autre côté, on est trois à Med City par contre. Mais les, les deux, j'ai l'impression qu'ils font leur meilleur match ensemble, les deux, là, parce que c'est vrai qu'ils sont très souvent. Ouais. Euh Très souvent proche. Ouais, et sur. Ouais, on ne pas que euh... le my match ensemble. Hein. Ah, il attendait ça, la perche. <laughs> Évidemment. Ah, bah toi, tu lui as attendu la perche. Ah là, oui, ça, c'est sûr. allez tu prends On est marre. Même on Pipion, euh, au début, il était ça. Ah je vais maintenant. Il part. est c'est fini. J'ai compris le jeu. Ah ouais. <rire> <rire> Pipion, carrément. Je... Pipion, je m'en veux. Je m'en veux. veux tellement c'est grave. Ce tu m'as perverti, ouais. Ah, ouais, ouais, non. Si Pipion est là chaque semaine, c'est pas pour rien. Hein. <laughs> Il fait ce qu'il faut pour être là. <laughs> il travaille bien, il regarde bien ce match gagné de foot. <laughs> voilà, Il a gagné sa place. Bon messieurs, euh, oui, euh, ah, ils sont masqués, j'espère les My Match comme la bah semaine oui. dernière pour pas qu'ils bah oui, qu Comme le... d'habitude, okay. Bruce. Bon, je suis un peu déçu d'être le seul à voir Arsenal s'imposer à domicile euh, face à City, mais c'est pas grave, tant pis. Vous croyez pas en Arsenal, ça, ne me dérange pas. Non, en vrai, il peut tout se passer. Mais... Le My Match de la semaine. Alors, le My Match, je vous explique le principe, c'est très simple. Vous allez sur l'application Winamax ou même sur le site winamax.fr et vous avez cette petite option, le My Match sur un seul. Euh, un seul match, vous pouvez faire plusieurs sélections et derrière les combiner pour créer une cote personnalisée. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur le site winamax.fr. Nous, on s'en sert pour justement euh, pimenter un petit peu notre pronogate Du coup, on le fait tous ensemble et euh, à chaque fois, on vous propose les My Match de chacun, mais pour le début, on les cache. Donc, le FC Gaze euh, va devoir choisir sinon, un il a My Match. Ma et sinon, à chaque fois, vous choisissez Bruce et forcément, c'est beaucoup moins drôle. Pro, on va vous montrer les My Match. Quanto, si tu veux bien les, 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 les présenter. Et le ah, FC Guest doit choisir un <laughs> my Brac, match bras, qui sera ou... le Il y ah, en guess. a trois combien un truc Voilà. Tu veux que je fasse quoi euh, Juste commenter. Euh, ok, que, bah écoute, euh, on a un match nul à 375. Ce qui est honorable, mais du coup c'est pas trop my match. Ouais. On a ce fameux 0-0 mi-temps qui est vraiment bien coté, je trouve, à 3.15. 3.15 mais voilà, c'est qu'une seule petite, sé petite sélection. Colomogny, 3,50 également C'est J'imagine que c'est parce que Kylian Mbappé était côté 4-10. Donc voilà. Et puis derrière, il y avait les, les deux combinés. Il faut préciser que les deux maillematchs, Mbappé PSG, c'est les My match les plus joués sur le site Winamax. Ouais. Donc ça ne pas foulé. Aucune et le, originalité. Le deux, quoi, voilà, aucune originalité. Je tiens à préciser que le deuxième My match plus joué sur Winamax, c'est une cote à 5. C'était PSG euh, vainqueur, Mbappé buteur et les deux équipes marquent. c'était côté à 5. Okay, donc, okay. Euh, donc voilà. Mais il n'y a pas trop d'originalité pour ceux qui ont joué Kylian Mbappé et le PSG c'est honteux et puis moi les autres euh, on, les on se demande du qui c'est hein. voilà. et, et puis les bleu. autres qui 100%, prennent une sélection non en vrai Zal 100% c'est Mbappé PSG oui 100% c'est un des deux le deuxième j'ai ouais, un mais, mais, doute sur qui euh, ouais mais Zal il était, per... il était persuadé que ça faisait une cote à 5 le, le deuxième le deuxième j'ai juré c'est Kanto et le... Braque il a mis Colomogny. lequel moi je suis toi t'as mis P... PSG Mbappé non et Braque Colomogny. D'accord. Eh bah, eh bah, ça. Écoute Bruce, on va, on va pas tarder Et à c'est 0-0 mi 0-0 mi-temps, c'est pas con par contre. Piffio, il dit rien en général. Euh, ah, il, ah. il attend le, le reveal pour un, de la gueule. Toi, t'as un pisse froid. Du coup, toi, t'as as pris juste match nul, toi. Ouais, et, exactement. Et, et surtout, et surtout, et, et surtout, voilà, on le connaît, Bruce. <laughs> voilà. <laughs> <laughs> ah, j'avais presque tout trouvé. J'ai eu une hésitation, putain. Mais non, mais je voulais faire exploser. <laughs> vu mais que premier. Je sais. Le chat, ils m'ont pas trouvé comme d'hab. Depuis tout à l'heure, je les ai conditionnés. j'ai vu Bruce dire, que c'était un scandale de prendre une sélection. J'ai compris qu'il avait fait ça. Du coup, du coup, j'y suis allé à dire moi aussi que c'était un scandale parce que j'avais fait pareil en prenant colomanie. Alors messieurs, le FC Geyser a lié son destin à celui de Pipion. Oh. Vous avez choisi le troisième my, my match, celui de Pipion. C'est la défaite, Donc, ça, je reconnais. 0-0 à la mi-temps. Il 15. est pas mal, il est là. pas dégueu. Ouais. J'aurais pu ouais. le jouer aussi, ouais. ah, Attention, hein, c'est en Angleterre, il hein, y a des, regardé, y a des buts en fait Angleterre. Hein. Hey, Saint-James James Park, toi, tu connais. Hein. Saint-James Park, bah, bah, quand même. Attends, après, après, attends. Alan Shearer, quoi. Alan Shearer, mec. Après, 0-0 à la mi-temps. Oui il y a un monde quand deux. même avec les deux etc <laughs> il y a un monde où il y a un but avant la mi-temps quand même aussi on est super fort allez Randall. Ah, alors juste euh, petite précision pour terminer sur euh, le prono-gate c'est grave vous n'avez pas de personnalité par contre Sachez. catastrophique sachez que si vous trouvez un, un my match avec une cote à plus de 3 vous prenez euh, ces euh, deux points hein, c'est ça euh, un My match passé, c'est 2 points à plus de 3. Oh, ça, si, ça change toutes les semaines. Le barème, et donc, si, euh, et si vous passez une cote à plus de 5, c'est donc 3 points. Donc ça. voilà. Donc cette semaine, personne n'a tenté la cote à 5. Donc si euh, quelqu'un passe son My match ce sera 2 euh, points en plus. Messieurs, le temps presse. On enchaîne avec le Tour d'Europe rouge, carton rouge pour euh, pour Braque de cas aujourd'hui alors le moment quand eux va aller pisser ouais ça y est on va, on va le merder <laughs> oh oui je pourrais mais après, <laughs> à, après dans les commentaires on me dit que je respecte pas l'émission donc je, donc je ne le fais pas pour vous montrer que je respecte l'émission ce n'est pas une volonté de ne pas respecter l'émission ah, il est susceptible non euh, non non, non mais ils ont raison ah, beau bon, message non mais ils, ils, ils ont raison c'est vrai que se barrer comme ça mais c'est juste que comme j'expliquais euh, des fois quand on fait des émissions de 2h et ben euh, ben bah, bah, oui il y a un moment où tu peux avoir envie de faire pipi quoi sans pub sans viens, rien viens devant les caméras donc, et, 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 euh... dans, et dans 2 minutes qui voilà toi, ça sort. viens toi à côté de Brack Place, mais mais j'essaierai de ne plus le faire pour ne pas que ce soit vu comme un manque de respect envers qui que ce soit parce que ce n'est pas le but. Et bah, et bah merci, Kanto. C'est la parole de, de la sagesse. La belle parole. Euh, messieurs, je vous demande de, de prendre vos ardoises parce que euh, on instaure une nouvelle règle maintenant. On va parler aussi du coup de cœur européen. Voilà, Il y a toujours le coup de cœur en Ligue 1. Euh, je vous, vous laisse réfléchir. Je vais juste un petit peu euh, donner les axes de, de nos débats Z euh, du jour sur les axes de nos débats du jour sur sur Tour d'Europe. Mmh. Vous m'écrivez un, un coup de cœur quel que soit le championnat, comme ça au moins bah, je viendrai vers vous pour que. vous, vous me En Ligue 1 Non, non, en, en Europe. Pas, pas en Ligue 1. En ouais, Ligue 1, d'accord. Oui, c'est ça une ça peut être un joueur ou une équipe. Ça ou... peut être ce que tu veux, Bruce. Ça peut être vraiment ce que tu veux. Je mmh. te prends pas la tête. moi, le chat. Alors en Angleterre, bien sûr, on va essayer de parler bah, de Tottenham-Liverpool, comme je vous le disais. Euh, Brighton qui s'est fait gifler 6-1 ouais. par euh, Aston Villa. Ça, c'est incroyable. Euh, franchement, euh, je. C'est impronosticable bon, comme, comme bon. résultat. Euh, très, très beau match bon, nul entre bon. Leipzig et, et le Bayern Munich. Le Bayern Munich qui a été mené dans ce match-là. Je pense que c'est pour ça que Bruce tout à l'heure disait euh, que bah, euh, le, le Bayern arrivera certainement à son bon, pic bon, de bon, forme bon, un peu hein. plus tard. Parce bon, que bon, pour bon. l'instant, les matchs sont pas euh, si simples. En Bundes. On a eu bah, Naples, hein. Naples, qui s'est remis enfin, comme l'a dit Pipion tout à l'heure, 4-0 contre, contre Lecce. Euh, en, en Italie, c'est plutôt statu quo. Hein. Tous, les, tous les plus gros euh, ont, non, ont il gagné. un match nul, atalanta euh, L'Atalanta ouais. et, et la Juve oui, on fait match nul, mais sinon Milan a, a, gagné, a gagné, l'Inter a gagné, la Roma a gagné et commence à, à remonter un petit peu. Et en Espagne, on parlera, voilà aussi, euh, euh, du Barça, euh, du Real ouais. qui euh, a collé un 3-0 à Gérard Messieurs, vos coups de cœur, je vous laisse retourner vos ardoises, s'il vous plaît. え Ça, ça me fait ouais. non, En fait, il y a tellement de matchs à voir que tu sais, on faut se remémorer et tout. Non, ah je oui, oui, c'est pour ça que je voulais donner un, un on peu. On, pour, de, on pour devient vieux. Hein. Pour, 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 pour être honnête, j'avais écrit Aston Villa, j'ai vu Sipion qui a marqué la ah, Emery. je peux aussi, tu sais pas, je suis en train de réfléchir à. quelqu'un Si c'est votre couture à tous, c'est pas grave. Moi, un bien. Ça me fait pas Vas-y, fais nous voir. Je l'aime bien, mais c'est là où il joue, j'ai mis Lotaro. on a discuté. C'est ce que Sipion est en train de me montrer. Énorme performance de Lotaro Martinez. En effet, vous voulez vous d'Aston Villa-Brighton, oui c'est vrai que là pour le coup ils sont tombés quand même de, de très très haut, euh, Brighton qui était bah, qui est, qui est la belle surprise en tout cas de ces, de ces dernières saisons en, en, en Première League euh, comment vous expliquez ce, cette déroute pion parce que Naïm Ré, c'était un super coach, un grand tacticien. Il a compris comment gêner Brighton à la relance. Peut-être pas la première. Tu sais qu'on sait que Brighton aime bien partir gardien défenseur central, et couper beaucoup l'influence des pistons, notamment Estupinan, qui est un joueur qui est très en forme d'habitude. Et là, en fait, ils ont vraiment étouffé, sans être vraiment genre un pressing de malade mental, aller chercher dans leurs 30 premiers mètres. Mais vraiment, le plan était parfait. Voilà, Quand un attaquant, qui est un des tout meilleurs buteurs de PL, quand il est comme ça, Holly Watkins, c'est vrai que ça fait la différence. Il est très très bon. mais ça fait partie des joueurs. L'année dernière, déjà, il est très voilà. bien fini comme Ivan Toney qui va revenir de suspension, comme Kale Winson, c'est les mecs qui sont hyper fiables. Et bon, je fais un petit aparté, mais je comprends pas pourquoi Chelsea n'est pas allé mettre euh, oui. 80 millions sur ce gars-là alors qu'ils en ont mis euh, euh, je sais pas combien sur euh, de, de plein de jeunes de milieu et de on terrain. On va revenir sur tous les achats de Chelsea, non, mais qu'on comprend pas. Ça, ça fera une belle équipe sur le football majeur en 2028, mais il te faut un mec qui met des buts. À, voilà, il y avait ce gars-là qui, qui avait tout, à, je pense qu'il a le niveau pour, pour euh, voilà, cette équipe de Chelsea. Et non, voilà, Aston Villa, depuis qu'on a est arrivé, voilà, il les a qualifiés en Coupe d'Europe. Il, il y a des très bonnes choses qui se passent au niveau du jeu s'intègre très bien, franchement c'est une belle équipe. Voilà, c'est vrai que je voulais tirer sur coach chapeau parce que bah c'est un coach qui a été décrié de temps en temps et tout. Voilà, oui. peut-être que à Paris à Arsenal, dans des clubs où euh, voilà il y a beaucoup d'ego, c'est pas évident. Par contre, quand il a le vestiaire, qui peut l'emmener où il veut, il gagne une Europa League avec Villarreal, il en gagne je sais pas combien avec Séville. Il est en train de faire quelque chose de très beau dans le championnat le plus concurrentiel du monde. Donc euh, chapeau au brave Unai. Mais je pense qu'on l'a toujours dit, hein, Unai Emery, c'est un entraîneur. C'est le contexte qui va faire que le mec va marcher ou pas, comme, comme tu le dis. Si tu arrives dans un contexte où tu peux pas vraiment bosser, sachant que tu as des idées qui sont très profondes. Je me souviens de joueurs qui parlaient de ces séances vidéo qui parfois pouvaient durer très longtemps et que ça les saoulait. Euh, si t'as des mecs qui sont acquis à ta cause et qui te suivent, forcément, bah, le, le résultat, il est là. Hein. Les, les résultats, ils arrivent parce que ce mec-là a des préceptes de jeu. Et, et là, là, on les voit. Oui, il a aussi. tout dit pipiose juste pour parler de Brighton. ça ouais. arrive tranquille, vaut mieux prendre une fois une tôle. On a vu, c'était Aston Villa qui s'était fait gifler par Newcastle au ouais, début. Après, ouais. Newcastle a une période de merde, c'est l'APL. Il y a un match, t'es pas dedans en face, ils sont en pleine confiance. Ils sont, ils sont toujours déroule. top 6. Hein. Tu sais que tu peux prendre une roue, surtout Caston Villa, comme tu l'as dit, il y a une très belle équipe. Donc euh, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Hein. Ouais. Alors Tranquille. Pour ne pas faire doublon et pour essayer d'être concis, il faut quand même qu'on parle de la défaite de, de Manchester City, Kanto. Euh, euh, Manchester City qui euh, on est pas à sa première, euh, là, sur la semaine dernière. Hein, euh, et élimination, en cup. élimination en Cup face à, face à Newcastle. On l'a vu face à l'étoile rouge de Belgrade, pardon, ça a été, ça a été aussi euh, assez difficile. On, on l'a dit tout à l'heure, hein, euh, City reste le favori ultime et pour la PL et pour la, la Champions League, il n'y a pas de souci sur ça. Mais. Il est vrai qu'il y a des matchs où c'est un petit peu plus compliqué quand même cette saison. On les a vus euh, parfois mener. Je me souviens de ce match contre, je crois que contre Sheffield, où, euh, où City euh, voilà, est revenu grâce à un Walker qui s'était transcendé complètement. On voit que City euh, voilà, est, est en difficulté dans ce, dans ce début de saison par moment. Ce n'est pas toujours tout rose. Ouais, bon, j'étais en train de regarder justement les, les derniers résultats oui. pour, euh, pour me ré remémorer un petit peu les, les, les matchs de City. C'est vrai que... Bah, deux défaites pour une équipe comme Manchester City, on n'a pas l'habitude de le voir. Il y avait ouais. cette rencontre en cup où le 11 de départ était quand même largement remanié hein, pour ceux qui n'ont pas vu le match et pour l'avoir un peu suivi. C'est vrai qu'il y avait une composition qui, était, euh, euh, qui permettait d'inclure quand même quelques, quelques jeunes. Euh, donc pas forcément étonnant de les voir chuter face à, face à Newcastle. Maintenant, face à Wolverhampton, c'est un peu plus étonnant parce que c'est pas l'équipe qui nous régale le plus depuis le... Depuis le, le début de saison, il y a eu quoi Il y a eu un, un manque de réussite devant le devant le but pour Manchester City et voilà à côté de ça une réussite presque maximale et ça se ressent à travers les stats, Trois tiers de but pour pour les Wolves donc voilà erreur pour moi de parcours rien de rien d'aggravant rien à signaler. Manchester City a quand même de la marge et aura de la marge quoi qu'il arrive. Donc pour moi il y a pas de il y a pas de défaite avec des avec des conséquences. Voilà. Un, un faux pas qui peut faire un petit peu mal à la tête, mais qui vont vite rectifier cette semaine en Champions League. Ouais. Il, y a, il y a eu euh, une certaine réussite du côté des, des Wolves et puis un, un Pedro Neto qui était. Euh, On n'a pas déjà parlé, offre, mais match, hein. lui quand il est vraiment en jambe ouais. il est très très bon. Euh, ouais. L'action du premier but, voilà. Et Après, il s'est capable des de comme ça. Non, c'est sûr. Et as parlé, lui, de, oui, as, as parlé de jeunes, celui qu'on voit en photo le 52 Oscar Bob, jeune ouais. Norvégien. Surveillez le celui-ci c'est ouais. une vraie vrai pépite, c'est un très très bon jeune. Il avait affronté les Bleus, les lors du dernier Euro Espoir. Et c'est vraiment normalement si Pep l'accompagne bien, futur très très bon joueur de D'accord. Okay. Là, là je retrouve mon vrai pipion. 45 minutes Je suis en train de regarder 45 minutes contre Wolverhampton 90 en cup Contre, contre Newcastle ouais. euh, Il avait déjà joué Avec la sélection norvégienne Et il est rentré Contre l'étoile Rouge Et contre West Ham Donc c'est un ouais. C'est un jeune joueur Que vraiment Guardiola A envie de, de faire jouer 20 ans Donc euh, c'est le moment Et juste oui, pour dire Qu'à City, Bon tranquille Même avec cette équipe on le voit C'est rien pour eux Ils vont pas gagner Les, les 38 matchs Cette saison Ou ce que tu veux Ça arrive C'est comme ça Mais mais c'est juste un petit accident. Après il manquait aussi des, des cadres. Avec On pas le voit Audrey. par rapport à la combo, t'as pas Rodrigue, ta grilich qui est sur le retour. Ouais. De Bruyne toujours pas là De Bruyne mais même sans ça ils sont censés gagner ça peut jouer pour une équipe comme ça parce que c'est tellement précis c'est tellement ils ont tellement de marge pour moi c'est rien et la défaite en coupe pour moi c'est anecdotique aussi parce que voilà c'est pas leur objectif prioritaire bien sûr ils voulaient se qualifier mais il y avait eu de la rotation etc et c'est peut-être un mal pour un bien pour eux de ne pas être sur 150 tableaux différents par contre moi il y a justement dans ce que tu dis c'est marrant parce que quand De Bruyne a été absent au camp De Bruyne est absent en général. On parle de... Est-ce qu'il y a vraiment une, une dépendance ou pas du côté Titi euh, je pense qu'il y a eu des réponses pour nous dire que non, parce que cette équipe est quand même capable de faire 100. Si, quand par même, contre, parce que euh, c'est le genre de joueur qui peut gagner ça, ça, 100. Mais... Alors, irremplaçable, je ne pas dire irremplaçable, si. parce qu'on le voit qu'ils sont capables de gagner quand même 100. Ouais, même mais... si, évidemment, que c'est peut-être le meilleur joueur de l'effectif. Donc, évidemment, que quand tu, quand tu perds De Bruyne, c'est dramatique. Mais par contre, je me demande si à terme, il ne peut pas y avoir des Rodri dépendance quand il ne sera pas ah, là. il parce est parce déjà il, il, a, il, a, il, a, il a tellement d'impact que quand il n'est pas là, en fait, ce pas du tout la même équipe. Non, mais Rodri c'est un un des tout meilleurs joueurs de, de City. Il et est top, de, top 3 du euh, monde. Hein, tu peux non, ça, oui. non du mais monde, à son poste, c'est le meilleur au monde. Mais je parle ouais. de City, si tu penses à l'an de la saison dernière, tout ça. Ouais, et Bernard, moi, moi je parle de l'impact que le mec voilà, a dans là dans tu as quand même une différence entre le fait qu'il est un excellent voire le meilleur joueur de ton équipe qui ne soit pas là et qui est complètement une dépendance. Pour moi, c'est quelque chose de différent. tu vois ouais. Une vraie dépendance, c'est une équipe qui n'arrive plus vraiment à trouver son jeu, qui va balbutier son jeu parce que ce joueur-là n'est pas là et qui n'arrive plus à gagner. Toute, ouais, propor ça, une vraie toute proportion gardée, parce que c'est toute proportion gardée, parce qu'entre les deux équipes, il y a un gap, les joueurs, ce que tu veux c'est où Garté, tu vois l'impact quand il est pas lent, ce début de saison avec le PSG les oui, deux bah matchs ouais. commencent à oui, pas oui oui, ouais, oui, oui je dis que que te te pas que c'est lui ouais. qui va marquer les buts mais dire. tu sens que c'est directement c'est pas la même équipe ouais, ouais. ouais. c'est ouais. là où je te rejoins parce sur que ça. Tu, parce que tu vois que le jeu repose beaucoup sur sa présence aussi oui, oui, équilibre. Bah oui. il te permet d'équilibrer l'équipe c'est ça il permet d'équilibrer l'équipe messieurs alors on va peut-être pas parler parler d'arsenal on en a parlé un petit peu mais voilà victoire 4-0 contre Bournemouth belle scène pour Alvarez et puis il y a eu quelque chose de très beau pour Kai Vertin voilà qui donne le penalty on sait que c'est un joueur qui est décrié qui qui, ouais. qui est début de saison un peu moyen même assez délicat et voilà le beau geste et tous les joueurs qui viennent euh, voilà le soutenir parce que voilà c'est un, un joueur qui euh, traverse des moments un peu difficiles entre l'Allemagne oui. tout ça donc je pense qu'il a besoin de ce but donc bah, super geste d'Odegaard on apprécie euh sur, sur moi aussi euh, peut-être l'effet euh, l'effet Arteta hein, parce que Arteta, oui. Arteta compte beaucoup sur ça hein, il, tu, ah, tu sens que son groupe tu, en bah, fait il veut la, 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 la série quoi la ah, qui euh, oui. tient la main au cerveau tout le monde est copain euh, je mets une ampoule pour regarde ah, ouais, et tout non, ouais. cool. et il est il est fort non, mais il est, il est il, haut de garde il est incroyable, incroyable encore mmh. ah, moi souvent. moi je vous l'ai dit hein, lui en Ligue non, des Champions cette saison je vous ai dit attention euh, messieurs oui euh, bah forcément le, le choc de PL Tottenham-Liverpool euh, posté qui continue d'étonner euh, vraiment euh, en ce moment ça, ça, ça tient super bien euh, Bruce toi je t'ai pas trop entendu sur, non, est sur ce match pas. Est spécial je non pas le, le match spécial mais, mais moi je, je veux ton avis sur ce Tottenham parce que c'est vrai que Tottenham par exemple moi, moi je le dis honnêtement c'est une équipe que, qui, 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 qui m'inspirait plus grand chose et, et c'est vrai que là cette saison on va pas se mentir c'est une des meilleures équipes de, de, de PL toi tu les, tu les vois comment justement hein, un petit peu au travers pas de ce match c'est ouf, c'est que ça joue très bien et je ne veux pas dire que c'est grâce ou à cause de lui, mais quand Kane est parti, leur meilleur joueur, tu vois, alors que lui, il synthétise beaucoup de choses devant, tu vois, par la passe ou la finition, c'est ça qui est complètement fou et c'est vrai que tu as un Tottenham qui joue très bien, qui est plus plaisant à voir jouer. C'est marrant. Madison, on fait qu'en parler euh, depuis qu'il est arrivé, il s'est intégré de fou, ça joue très bien. Son qui joue plus haut, on a retrouvé un Top qui est tout le temps décisif et tout. Donc. Euh, non franchement rien à dire c'est une équipe plaisante à voir jouer et on s'est souvent emmerdé ces dernières années avec Tottenham donc c'est une des belles euh, équipes ça fait partie des très belles équipes de PL cette saison donc mmh. est-ce que ça va tenir toute la saison on verra mais en tout cas on leur souhaite s'ils continuent à jouer comme ça après là sur le match on ne va pas se mentir, il y a le but de Dias qui, qui est refusé ouais. injustement alors qu'il n'y a pas d'or-jeu. Bref, c'est n'importe quoi. Il y a l'expulsion aussi de Diogo Ils prennent deux rouges, ouais. ils prennent un rouge et même deux rouges. Ouais. Et ils peuvent même mériter de conserver au moins le point du match nul. Et il y a ce CSC à la fin. Donc. Euh, voilà, moi je trouve que Liverpool, même si à chaque fois on dit qu'il y a des petits manques derrière et tout, c'est une équipe qui a beaucoup de cœur cette saison, au-delà de la qualité quand même, qui même dans les pires situations, on l'a vu contre Newcastle, mener, réussir à mettre deux buts et gagner à Newcastle à 10, là franchement, même à 9, tu te dis, ils vont, ils vont réussir à, à aller gratter un point à l'extérieur. Donc euh, moi, c'est ça que je retiens principalement, parce que Tottenham, même en supériorité numérique, ils ont quand même pas mal galéré, tu vois. Donc mmh. euh, franchement, assez triste, on va dire, pour, euh, pour Liverpool, vu ouais. le, tout ce qui s'est passé dans le match, c'est une folie, quoi. Un petit mot pour finir sur Tottenham Liverpool, Pipion peut-être, parce que c'est vrai que tu, tu les suites de très près, toi. Euh euh, L'anti-spurs <laughs> ben non, mais oui, l anti, l anti Spurs qui, a, qui a complètement euh, tourné. <laughs> non, non, bah c'est vrai que c est, c est, ça, ça tourne pour eux. Je suis d'accord, voilà. En plus, il y a un communiqué euh, des arbitres anglais pour dire que le but aurait dû être valable et tout. Ouais. C'est ouf parce que même avec cette technologie-là, on peut encore avoir ce type d'erreur dans ouais, un match. Venue, ou... tu le vois quand même enfin, non, il... mais dans un match aussi important qu'il y ait cette défaillance-là, il y a de quoi rendre fou. Et, ouais. et voilà, si à la fin de saison il manque quelque chose à Liverpool, bah, ils vont peut-être se retourner sur ça. Mais si, évidemment, il reste beaucoup de temps. Euh, non, parmi les performances individuelles, j'ai beaucoup aimé Pedro. Euh, qui voilà on savait que c'était un joueur intéressant au sporting il est arrivé dans un Tottenham où c'était pas évident mais on voyait des qualités et là c'est vrai qu'avec ce système où il y a lui et Udoji bah, c'est deux latéraux qui jouent carrément des fois très très haut il y a Bissouma et euh, Batarsar qui sont très très bien pour équilibrer et ça a été vrai ouais, mon petit coup de cœur euh, du, du match de samedi j'ai vraiment bien aimé euh, sa performance ouais, pareil Liverpool je, je, je suis euh, euh, assez satisfait. Ouais, ça, c'est deux latéraux qui non, sont inversés. Les grands. gars, si sur une compo dans hors-jeu, il n'y a pas une erreur, c'est que c'est pas hors-jeu. Hors -jeu, voilà. C'est <laughs> oui, inversé. Mais oui, pareil, comme, comme Bruce, pas inquiet pour Olivier Pouy, Ils ont quand même beaucoup de euh, ressources mentales. Voilà, ils vont avoir euh, le, le match euh, d'Europa de, League pour euh, repartir d'avant contre l'Union Saint-Gilloise. Enfin, je ne me fais pas <laughs> trop de soucis. C'est vrai que même là, ils lâchent rien. Ils concèdent beaucoup de, de l'ouverture du score, mais il y en a cette saison. Donc, ouais. c'est un petit truc à régler pour Jürgen oh, Klopp. Voilà, ouais. c'est une équipe beaucoup à réaction. On avoir peut-être euh, voir ce petit souci, mais un match un peu bizarre. Ouais, je suis ouais. d'accord. Euh, on file en Allemagne, messieurs. Euh, restons, restons efficaces. Leipzig euh, contre le Bayern Munich. Deux buts partout. Kanto, euh, je ne sais pas si toi, tu as, ouais. as, as, as pu voir ce match. Ouais, si On équipe peux nous, le Bayern. Nous, en, nous en parler un petit peu. Ouais, C'est vrai qu'il aime bien le, le, le Bayern, Kanto. Mais encore un Bayern qui a eu des problèmes hein, euh, en, en, en Bundes, euh, comme, euh, comme ça a été le cas euh, déjà par le passé euh, cette, cette saison. Euh, le Bayern qui est mené euh, 2-0, qui ouais. parvient à revenir. Euh, Qu'est-ce que tu qu que as pu voir, toi, dans cette rencontre bah, C'est un peu l'image du Bayern, en fait, depuis le début de la saison. Il y a des choses intéressantes avec. Euh une faculté à se créer des occasions offensivement, mais ça, c'est pas vraiment une nouveauté. On a un équilibre qui est parfois retrouvé avec, euh, avec cette défense, mais il y a trop d'errements défensifs, à mon sens, pour que ce soit une équipe du Bayern qui soit véritablement équilibrée. Euh, dans ce match-là, ils encaissent deux buts coup sur coup euh, dans, la, dans la première demi-heure de jeu, avant de pouvoir petit à petit euh, s'installer et arriver à bah, marquer puis à, puis à égaliser. Mais pour moi, c'est une équipe du Bayern qui... Un très fort potentiel, mais sous condition de pouvoir s'équilibrer avec le temps. Aujourd'hui, c'est une équipe qui, pour moi, est encore beaucoup trop brouillonne et désorganisée pour pouvoir être euh, une des meilleures équipes d'Europe, qui a un, un potentiel énorme, encore une fois, je le répète, et encore une fois, on le voit, on le voit à, travers les, à travers les statistiques, et qui, avec notamment Harry Kane, a trouvé son véritable attaquant qui, qui, qui va leur permettre de venir punir. Euh, le, le, le plus possible, mais, euh, mais pour moi, il y a encore ce milieu de terrain et cette défense euh, euh, où il va falloir trouver une organisation, il va falloir trouver quelque chose. Parce que par exemple, tous les matchs que je vois depuis le début de saison, Kim Inger, il est taille patron, mais le problème, c'est qu'il est trop souvent esselé, trop souvent débordé, parce que mal accompagné, ouais. il va vraiment falloir ah, trouver des solutions. Il y d'espace entre les deux lignes, derrière ouais. des, fois, ouais. des boulevards. Ouais. Oh, mais ça, c'est pas nouveau, ça. Oui, <laughs> mais ils assument ça, mais il y a des fois, ils l'assumaient mieux. tu vois Là, ça, oui. est, par rush, ça ouais. va être un vous rush. Ah, ça bah, va peut-être oui. coûter quelque chose cette saison. Ah, bien sûr. Euh, ah, évidemment, pardon, le mercato d'hiver aussi, ouais, ouais. Ça, il y aura des ajustes là. Manuel Neuer qui part faire euh, du, du toucheuse à la montagne, ah, oui, euh, accident bon. de ski, comme quoi des saisons ça peut tenir à rien. Bah, bien mm -hmm. sûr, mm -hmm. bien sûr, mais la question qu'on peut se poser c'est pourquoi n'a-t-il pas été remplacé ah, oui, parce parce qu'on a, hein. a vu Yann Sommer la ouais. saison dernière, après on a vu une énorme valse des gardiens cette année avec Sommer, avec Onana, avec Kepa, avec Bonu, euh, ouais. avec, Bounou, voilà, avec beaucoup, de, beaucoup de gardiens. Je pense qu'il y avait quand même de quoi. Euh, Venir recruter un gardien compétent, un gardien de Après, très haut niveau, très sans, pour moment, sans vouloir manquer de respect à Neuer. Euh, je pense que le Bayern a peut-être un petit peu trop eu de respect envers Manuel Neuer, en ne voulant pas recruter un gardien, en lui disant ouais. « on va attendre peut-être sagement ton retour ». Le problème pour moi, c'est que premièrement, on ne sait pas à quel niveau va, va, va revenir Manuel Neuer. Et, et la deuxième chose c'est que bah, Neuer n'a pas été sérieux en allant au ski bah, c'est pas à vous à vous en payer les pots cassés et c'est à vous à trouver des solutions voilà, mm -hmm. ça aurait pas été pour moi manquer de respect à Neuer que de venir le remplacer en sachant que c'était quand même sa faute à lui malgré son immense carrière et les services qu'il a rendus au club oui, oui, non mais eh, bien sûr, on remet pas du tout en, en question euh, euh, la carrière de, de, de Neuer. Du coup, euh, ce, ce match nul qui profite au Bayern de Verkusen, hein, Le Bayern de pour qui ça s'est très bien passé aussi euh, ce week-end, victoire 3-0 euh, contre 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 Mayence euh, et qui prend la première place de la de la Bundesliga du coup bah ouais voilà bah, bah c'est un très très beau début de saison j'insiste à regarder cette équipe il se passe beaucoup beaucoup de ah choses moi je les choses. regarde t'es euh, convaincu par le chabibol, du coup ah bah oui mais bien sûr c'est j'en parlais je puis il, il y a la semaine dernière ou euh, il y a deux semaines je les trouve super intelligents je trouve qu'en fait c'est vraiment tu vois tu vois une équipe qui sait super bien se projeter j'adore l'intégration de, de Jonas Hoffman il est vraiment euh, voilà comme un comme un poisson dans l'eau dans, dans, dans cette équipe euh, Boniface qui euh, qui tourne aussi euh, bien euh, t'as t'as euh... qui convient c'est un super t as... T as... T'as Ta Ta qui est énorme sur le, sur le côté. Et puis, au milieu de terrain, je ne savais pas trop comment ça allait se passer, mais Chaka qui est, qui est déjà intégré, enfin, ça, se pas passe, euh, ça se passe très très bien. En plus, c'est le patron presque de cette équipe. Et puis, j'adore euh, la charnière euh, derrière avec, euh, avec Ta, avec Tabsoba. enfin c'est ouais. très tourne très bon. C'est super bien. Moi, en fait, j'adore voir jouer cette équipe parce que j'ai l'impression de voir une équipe qui tranche un petit peu avec le style allemand, tu vois. C'est-à-dire que c'est super bien organisé et ça, ça attaque vraiment sur des, sur, des, sur, des, sur des super temps forts. C'est toujours. Toujours bien réfléchi tout ce qui se passe, donc euh, honnêtement, moi je, je, je pense que eux ils peuvent vraiment poser de vrais problèmes au Bayern. Oui, cette et puis, je pense qu'on peut, peut parler de Laura de Chabi Alonso parce que ouais, là, euh, si Leverkusen euh, qui est pas en Ligue des Champions réussit à tirer Eshaka et, euh, et Grimaldo, ouais. euh, je pense que ça, je, ça tient beaucoup à, à la qualité de l'entraîneur. Et je pense que c'est quelqu'un qui va aller loin. On le répète, hein, l'été prochain il ouais, ouais. y aura une très sérieuse approche du Real De toute façon, c'est entre Real et Liverpool. Oui. Et de ce qu'on voit d'Jürgen Klopp, il peut encore continuer un petit cycle oui. à Anfield. On on ne fait pas trop de doute On sait que le Real va perdre chez Chelsea. On sait que c'est acté. Moi, je pense c'est très bien qu'il soit resté. C'était trop tôt cet été. Je pense qu'il devait faire vraiment une saison complète à Leverkusen. Peut-être essayer de chercher quelque chose de très beau. Pourquoi Oui, c'est ça en fait. C'est ça. C'est en, en vérité ce que tu veux avec lui. Là, c'est d'avoir une saison un peu confirmation. Tu vois, la saison où il euh, y a un duel avec euh, voilà, le Bayern avec euh, avec Leipzig et aussi bah, euh, l'envie de voir cette équipe performer au plus haut niveau et de, et de les voir avec ce, ce style et, et de les voir en fait dans leur meilleur version ça. Parce que peut-être qu'on les avait pas encore vus aussi bons. Et là, franchement cette saison ouais, ce qui se passe c'est incroyable et comme le dit le chat en plus il y a Palacios il y a Amidali aussi qui oui, sont est très ça, très, très bons ça, ça tourne très très bien pour eux ouais, non, franchement euh, bravo, bravo à Chabi à Alonso qui fait du, du, du très bon travail et le Borussia Dortmund qui s'est imposé aussi à, à l'extérieur euh, ça aussi bien sûr on, on suit l'actu de, de cette équipe parce que forcément on est tous un peu concernés par le Borussia Dortmund ici sur ce plateau euh, messieurs si si toi es concerné Bruce <laughs> bah, ils sont dans la poule du Milan oui bah, Mais, ouais. Moi, c'est sympa, hein. j'affronte Rodez et Concarneau chaque week-end. <laughs> Apparemment, je suis concerné par le Borussia Dortmund, ça fait plaisir. Hein. <laughs> me coulez pas, les gars, me coulez <laughs> pas, j'ai une journée très compliquée. Euh, messieurs, euh, Seria, euh, Bruce... Ouais. Un petit mot, euh, là aussi, victoire de, de l'AC Milan contre, contre la Lazio, ouais. euh, du coup, euh, avec un Léo qui a été très très bon. Double passeur pour ce, pour ce décisif, ouais, bah, quand il est comme ça c'est mieux, Okafor euh, qui marque son deuxième but, bon ces deux buts jusqu'à maintenant ce n'est pas les buts les plus compliqués, mais il faut être là, il faut être en retrait, Et les deux buts se ressemblent parce que c'est Pulisic euh, sur le premier aussi en retrait, donc voilà c'était une victoire importante, on sait que la Lazio c'est un peu euh, bancal pour le moment cette saison, ce n'était pas une première mi-temps ultra facile, mais tu sens sais, qu'en deuxième mi-temps ils ont élevé un peu le niveau Milan on voit Adli qui a du temps de jeu avec les absents et qui se montre de fort belle manière. Donc ça, ça fait plaisir. Donc on pourra compter sur un nouveau milieu de terrain cette année, ce que jusqu'à présent, on ne le voyait jamais. Donc ça, c'est cool. C'est l'un des, des gros points positifs. Et puis voilà, comme je disais, point négatif, c'est que bon, Kroenic, on le savait, mais là, Talov qui sera aussi forfait, etc. Ça, ça me fait un peu mal. Euh, bon, tu as Reimers, c'est une surprise avec ce début de saison qui vraiment fait énormément de bien au Milan. Vraiment, vraie belle surprise vraie belle surprise ce joueur donc euh, donc voilà Ouais. Un, un petit mot quand même sur le quadruplé de, de Lautaro Martinez qui entre en jeu et ouais. qui du coup euh, voilà vient en claquer quatre euh, à la Saler, Saler, salernitana pardon. Euh, ça, ça le relance un peu tu, tu penses ou euh, parce, tu que que la vrai, la... Bah, parce que Lautaro parce que c'est vrai qu'on l'avait pas vu. Ah, il a fait un super début de saison. Il n'avait pas marqué tant de buts que ça. Ah, ça c'est son meilleur début de, de saison. Effectivement euh, ouais. il est très très ouais. bon. Non je parle en termes de buts. Ah si si il marque. Franchement tu l'enlèves là de il marque à tous les il fait un début de saison mais canon il est. Désolé pardon pardon. Non mais tranquille. Toutes les je championnats, toutes les équipes. Je n'ai rien dit. Rien non, dit. Il, feint, il feint... <laughs> Vraiment, aujourd'hui, je, je vous dis, j'ai une journée okay. très compliquée. C'est pour ça que je suis, je suis un peu dépassé. Il dépassée, fait une euh, sans... saison de, de malade mental. Il fait partie des meilleurs neufs au monde. Euh, rien à dire. Là, au point de se dire que bah, tu veux le faire souffler un peu et tu vois que tu n'arrives pas à marquer, tu le fais rentrer. Il te plie ça en deux secondes. Ouais. De toute façon, Lotaro, quand il est comme ça, c'est un buff. Il est bon dos au jeu. La finition est là. Il sent bien les coups. Techniquement, il est loin d'être dégueu aussi. Donc euh, voilà, il y a tout. Puis tu sens aussi qu'avec Turam, il se passe quelque chose. Moi, personnellement, j'avoue que je suis pas un grand fan de Turam à la base, je suis honnête. Après, ils pouvaient le faire signer gratuitement. Bon, tu as un contrat, il y avait Milan aussi qui était dans la course. Tu le prends, tu vois, tranquille. Mais c'est vrai que je suis agréablement surpris pour le moment, pour, euh, par, leur, euh, par leur entente, etc. Parce que ça se passe très bien. Et Turam fait un très bon début de saison aussi. Donc, euh, donc voilà, bon, ça me fait un peu mal, hein, mais l'Inter, en non, tout cas, euh... c'est très sérieux encore cette saison. Et l'Otaro et monstrueux le genre de, de joueur qui peut te changer une équipe quoi. je vais me manger tous les interistes encore sur la gueule enfin, je suis dans la merde <laughs> ils vont me tomber dessus comme la saison passée non, non, mais... il, a, il a 9 les buts en 7 sphériques. matchs ouais. ah, y a, y a buts en... 9 buts en 7 matchs non, non mais oui, non, non, mais... oui, oui, oui. Je, je, je sais pas j'ai eu euh, une absence euh, passons à, à la Liga parce qu'après il faut qu'on finisse avec la Ligue 1 euh, aussi euh, victoire 3-0 euh, du Real qui pour nous parler de, de ce match messieurs, contre euh, Gérone. on en parlait déjà euh, un petit peu tout à l'heure ouais, ils sont But plein de... vaincus déjà pardon, pardon j'ai dit sont plein vaincus déjà. Et c'est la, la première nouvelle, 3-0 avec, avec la manière, j'ai envie de dire, pour une équipe qui galère un petit peu à venir débloquer les situations et qui, pour une fois... Bah arrive à, à s'imposer sur, sur ce score de, de 3 buts à 0. Il y avait déjà eu un match, euh, c'était contre qui la semaine dernière déjà y a eu l'Atlético, ils ont joué il n'y a pas longtemps. C'était la Spalmas, ouais, où José Lui met le deuxième, où déjà ils avaient eu énormément ah, d'occasions. Au début, je... ils galèrent à marquer, oui. et et José je, je regardais le match, après ouais, Brahim ouais. est venu marquer, José Lume, Et dans, en première, je sais que José Lui, par exemple, rate beaucoup d'occasions, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même, du, quand même du mieux offensivement. Et puis. Euh, puis voilà, euh, cette équipe de, de Giron, à mon avis, on n'a pas fini de les voir parce qu'ils font quand même un, un excellent début de saison. Et en plus de ça, la préparation avait été bonne. En Amical, ils avaient fait nul contre Naples, ils avaient gagné Sheffield, ils avaient gagné la Lazio. Là, ils étaient sur quand même six victoires et un nul depuis le début de saison avant de venir s'incliner contre le Real. Donc à mon avis, c'était pas... C'est une équipe surprise sur le papier, mais ce ne sera pas tant une équipe surprise que ça. Et je pense que ils, se ils se battront qui... pour l'Europa League, la conférence, ouais, je pense qu'ils qu seront dans le haut du tableau. Moment, ouais. Ouais. Et ouais. la passe de Bellingham, pour l'extérieur, c'est incroyable. Il est extraordinaire l'extérieur, la passe est, est magnifique. Euh, un mot sur la, euh, la victoire du Barça aussi euh, face à Séville peut-être euh, Pipion C'était compliqué c'était compliqué mais voilà Sergio Ramos <laughs> au bon souvenir ah, de quelques Jeux de Barcelona, à Barcelona, voilà. donc, Non euh... mais Ce qui est fou c'est qu'il y avait une image avant où on voyait euh, lors d'un ancien classico l'amignama euh... le 9 piges lui tenir la main oui, 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 et oui, voilà oui. quelques années après c'est lui qui a à la certitude du CSC. Bah, c'est vrai que pour le Barça ça a été long à se décider tu vois qu'offensivement encore surtout quand Séville vraiment bah, c'est bien cassé ce genre de match et tout je pense qu'ils voilà, ont su le, le débloquer ils ont dominé, ils ne sont pas encore à, à, à 100% de leurs possibilités. On en discutait avec Benjamin, je suis d'accord avec lui, que quand c'est Wey Felix, ça, ça change beaucoup de choses, mais il faut encore un petit peu de temps pour que tout soit bien huilé Et je pense que ça va être bien de voir justement cette poule de ligue du Champion qui est normalement abordable pour continuer à gagner en confiance. Donc voilà, pour eux, ils ont fait le taf, mais c'est vrai que je me suis dit, c'est typiquement un genre de match qui peut se terminer à 0-0 l'an dernier, par exemple. Et l'Atletico qui s'impose 3-2 face à face Ils étaient menés en fait. Ils étaient menés 2 0 le match, mais j'ai vu qu'ils étaient menés et tout. Donc voilà, Donc pour l'instant, le Real est premier, hein, finalement, euh, en, en, en Liga, ça se passe assez bien. Ah oui, euh, Aubart, qui on, part, part place, on parlait mais... de jeunes joueurs tout oui. à l'heure pour Ecoscar Bob euh, Firmin, Firmin du Barça. Oui. Euh, ouais. Super montré. Alors là, vraiment, euh, bah, c'est Il avait été impressionné, ouais. euh, début de saison, lui, quand il était rentré, c'était bah, contre le Real en, en amical, c'était en couple. Je me rappelle, je ne veux plus à l'occasion de quel match c'était. Vous l'avez fait une entrée flamboyante. Bah déjà. Euh, la tournée américaine, là, quand ils jouaient euh, ouais, bah est... En, en, ensemble. Est Mais euh, vraiment, encore un jeune qui sort de la Masia, qui est plein de personnalité <laughs> qui se retourne à une vitesse, qui sait faire des enchaînements, euh, des, des, des changements d'appui et tout. J'étais bluffé, donc euh, vraiment à suivre euh, le petit euh, Fermin. Très bien. Euh, messieurs, si on veut parler de la Ligue 1, il faut qu'on avance. Euh, on avance avec euh, la Ligue des Talents, Jingle. Allez, comme toutes les semaines, je vais vous demander de m'écrire votre coup de cœur, votre coup de cœur euh, euh, du week-end. Si jamais il y a un truc que vous avez envie de, de mettre en avant, de parler d'un entraîneur, euh, d'un joueur, d'un résultat, d'un match. Il voilà. faut que je me remémore. Si vous ne peut bah pas, pas oui, voir oui, les matchs du week-end, que je me remémore les trucs. Il faut se remémorer. Alors, justement, on va faire un point sur le classement. On va faire un point sur le classement, oui. comme ça, ça va peut-être vous, vous aider à, à, à trouver. Alors, on le voit, ce classement, Monaco premier, avec 14 points, qui gagne donc trois places. Bien entendu, après sa victoire contre, contre l'OM, Brest est donc maintenant euh, deuxième et passé derrière est passé derrière donc euh, Monaco, euh, Reims qui, qui gagne aussi deux places avec cette victoire contre contre l'Olympique Lyonnais, ça s'est super bien passé pour eux. Euh, nice et le Paris Saint Germain en embuscade, les Rennais qui gagnent trois places avec cette victoire contre euh, contre le FC Nantes dont tu vas nous parler euh, un petit peu euh, tout à l'heure. Lille septième qui gagne aussi quatre places, Montpellier a noté, a noté pardon quatre places de, de gagner euh, là aussi. On va vous afficher bien sûr les résultats euh, complets euh, de, de ce week-end et surtout si on redescend tout en bas bah, Lyon est toujours dernier avec euh, deux points euh, au classement. C'est très 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 compliqué pour euh, l'Olympique lyonnais. On en parlera tout à l'heure. Messieurs, vos coups de cœur m'ont l'air prêts. Je vous laisse retourner. Ito pour euh, Kanto Morijo pour... Euh, ouais, c'est vrai qu'il a fait un super match. Merci. Euh, pas uh, si je bien écrite. à Cliouche. C'est quoi, c'est un cas ou un pas comme ça Non, c'est un cas. Si, c'est bon. Je me suis surpris, vu que je fais toujours des remix sur les noms. Mais c'est bon, c'est bon. C'est bon. Et messieurs, du coup, on va commencer par canto C'est vrai que victoire de Brest, victoire de pardon face à Lyon et un hito qui a été très bon dans ce match ouais, Oui, il fallait gagner ce match pour les Rémois, une équipe qui a la prétention de jouer l'Europe face à une équipe qui joue le maintien. Donc euh, c'était important de venir faire respecter la, hi la hiérarchie dans ce genre de match-là. C'est ouf eux. de se dire ça. Hein. Euh, non, mais je le dis ironiquement, mais pas bah, totalement. C'est hein. logique aujourd'hui. Je suis désolé, quoi, mais pour les pour les amis supporters lyonnais, mais, mais c'est quelque chose de, de concret, de réel, et je pense que tout le monde l'a compris. Mais non, Junioiato qui encore une fois euh, montre, montre son talent. J'ai eu un petit peu peur au global euh, quand on a vu euh, et quand on a allé voir le match de Reims face à face à Brest parce que. Cette équipe, cette équipe rémoise avait fait une deuxième mi-temps qui, qui n'était pas bonne, un petit peu à l'image du match face à l'Olympique de Marseille. C'est une équipe qui, souvent, avait un petit peu du mal et venait payer physiquement les, les secondes périodes avec une, désorganisa une désorganisation pardon, et, et des petits problèmes physiques. Euh, Sauf que là, il y a eu quand même ce match la semaine dernière avec la, la victoire face à Lille euh, sur la pelouse des, des Lillois où ils ont su être solides Bon, avec une deuxième mi-temps, ils ont peut-être un peu plus subi. Et puis là, cette victoire face à l'Olympique Lyon où ils s'en sortent euh, avec un excellent centre de Junia Ito qui vient déposer sur la, sur la tête de Marshall Mounetti. Ito est encore sur euh, le deuxième but puisque c'est lui qui a la réception de ce centre avec euh, Younis Abdelhamid qui, qui vient suivre parce que pour le coup, il y avait une vraie parade. De, de, de la part du gardien lyonnais. Donc, euh, donc voilà, Junia Ito qui, pour moi, est l'un de ces joueurs qui peut faire beaucoup de bien avec, avec Teddy Thomas, avec beaucoup. Moi, Daramy pour le moment, c'est un de mes coups de cœur depuis le début de saison. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on avait vu avec Badou. Il est également non pas hein, non parce ben que plus. Non, parce qu'il qu y a Omar Djakite également ouais. qui, sur, sur lequel on, on a beaucoup d'espoir dans, dans cette équipe-là. Nakamura, qu'on a vu buteur la semaine dernière. Je pense que cette équipe-là euh, a encore des, des moyens de, de progresser. Pourquoi peut Parce peut commencer que... à trouver son rythme de croisière. Bah ouais, parce que même, même dans le secteur défensif, il y, y a quand même de la ressource, il y, y a Fouquet qui me fait un peu peur. Euh, euh, bien, les latéraux, c'est ce la seule limite pour cette équipe. sinon ouais, Le 11 ouais, est très est, très sympa. C'est ça, après Marshall Mounetzi il va falloir qu'il arrive à retrouver son, son foot parce qu'il a été un petit peu moins bon depuis le début de saison, un petit peu, voire beaucoup moins bon de, ouais. de son vrai niveau, mais j'ai aucun doute pour, pour me dire que c'est un excellent joueur. Mathieu Zivois, pareil, il va falloir continuer à avoir de l'impact dans cette équipe-là. Mais sinon, moi quand je vois le 11 de Reims, sincèrement... Euh, je me dis que c'est une équipe qui peut vraiment, euh, vraiment jouer quelque chose, qui peut vraiment jouer le top 5 hein, en France. Hein. Mmh. Oh, Alors, euh, bon, jouer l'Europe, c'est sûr cette année. Hein. Ouais. Mmh. Top okay. 7 minimum. Hein. Quand, 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 quand tu regardes ce match et la situation des, des, des Lyonnais, on a vu même des images qui font, qui font même presque froid dans le dos. Hein. Quand tu vois l'interview de Tolisso après le match, où il est ah, presque ouais. au bord des larmes, en fait, hein, euh, vraiment. Ah, il a envie de répleux. Ouais, il a, il a envie de répleux, ouais, on, est est, on est, on est d'accord. Euh, on a un communiqué qui est sorti de, de, de John Textor, euh, qui nous dit que forcément en janvier, ça ira. Mieux parce qu'on va pouvoir recruter et pourtant tu as peut-être des histoires qui commencent à sortir. Ah, oui. Je, je, je m'aventure ouais. ah. mais c'est en train de voilà c'est en train de sortir. Euh, on va pas dire est-ce que c'est la crise parce que oui c'est clairement la crise et on en a déjà parlé depuis des semaines. Comment Lyon va se sortir de ce traquenard de toute façon, là, c'est simple. Ils vont affronter Lorient et Clermont à la maison, ouais. qui sont à 17e et 16e. Ouais. Et Lorient qui va pas bien en plus. Si tu fais pas, pas bien, minimum ouais. 4 points, et je pense, vu leur bilan comptable, il faut prendre 6 points. Si là, ils font pas 4 points, là, je pense qu'on pourrait en se dire. Si à la maison, ils ne battent pas les deux les autres équipes les plus faits du championnat, il y a vraiment un gros risque. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est que j'ai vu un Lyon qui, sur les 15 premières minutes, essayer quelque chose ouais. et après ça s'est en fait cette équipe aujourd'hui elle peut que jouer 15 minutes elle peut faire que 15, Par 20%, 20 d'un match Par coup. et après ça s'effondre totalement ouais. on balance des grands ballons on fait n'importe quoi franchement le meilleur Lyonnais sur ce match c'est Jacob O'Brien qui fait son... Sa première sortie, quoi. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est un jeune, et c'est là où on en revient sur la discussion, c'est que les cadres, ils sont totalement à la dérive. Il les est caprés. frais mentalement, peut-être aussi. Non, ouais, mais c'est ça, je, je pense c'est ce qu'il va pouvoir jouer pour Grosso, c'est parmi tout ce vestiaire qui est malade, qui est déprimé et tout, aller chercher des joueurs comme ouais. ça, des jeunes qui ont la niaque euh, un peu stimuler tout ça. C'est pour ça que la composition contre Lorient, je l'attends, parce que là, il s'est peut-être rendu compte que même en essayant de re relancer sont encore, euh, c'est très compliqué. Et voilà, un plan de jeu qui s'est vite effondré. Et ce que dit Cantos je suis d'accord sur un, je me même dit, c'est une équipe, j'adore comment il travaille. Les recrues sont très bien intégrées, mais c'est pas un grand rein ce que j'ai vu hier, tu vois. Ouais, c'est qui ouais. qui est à 40-50%, elle peut faire bien mieux. Elle maîtrisait pas tout, mais ça suffit pour battre Lyon aujourd'hui, qui est totalement bah, au fond du trou. Et en plus, bah, ce qui commence à être inquiétant, c'est que Cherki, on... voilà, c'est un joueur. Ouais, Cherki, en... là, là, tu la je, je dis pas que tu l'as tué, mais tu l'as. La dernière fois tu sur le banc, moment. Moment. tu sors tôt, Et tu etc. Ah, là, il commence à faire n'importe quoi sur le ah, terrain. Au bout d'un moment, euh, un joueur de son âge, si parce que tu le sors du terrain, tu l'as perdu, il faut, il faut pas. Enfin, je veux dire. Mais regarde le contexte dans lequel tu, tu fais ça, tu l'es ouais, comme est, ça, c'est catastrophique. Pas. C est c est pas. Ça, bon, je m'en me fous tout. du contexte dans lequel il est. Euh, moi, je sais que c'est un des meilleurs joueurs qui a été formé à l'Olympique lyonnais. Il, doit être, ouais, être là, il doit être là mentalement pour aider son club à se maintenir. Il doit être là, quitte à partir et faire comme l'ont fait les autres avant lui. Luqueba, euh, Barcola, Malogusto, etc., etc. Lui aussi, il aura le droit de partir. Mais c'est pas en montrant une image comme ça qu'il va y avoir un grand club qui va vouloir premièrement se positionner sur lui. Ah bah ça, Mais ce n'est pas en ayant une image comme ça qu'il va remercier son club de lui avoir permis de, de pouvoir grandir, de devenir le superbe joueur qu'il est. Mais si mentalement ça coince, il ne pourra pas faire une grande carrière alors que c'est un, un joueur avec un potentiel qui a absolument énormissime. Mais il va falloir tout simplement le montrer sur le terrain au bout d'un moment. Ouais. En tout cas, sur le chat, vous n'arrivez euh, pas à trancher. Hein. Vous êtes euh, voilà euh, très partagé. Euh, 50% à penser que Lyon euh, va aller en Ligue 2 et 50% à penser qu'ils vont rester. Donc bon, pour l'instant, on n'arrive pas à se décider du, du côté du, du chat. Non, mais euh, moi, juste pour revenir sur ce que tu disais, euh, Pipion, quand tu vois que c'est euh, euh, le mec qui fait son premier match, qui fait peut-être le meilleur match dans ce match-là, bah, en fait, pour moi, ça en, ça en dit long sur euh, l'état des autres en vérité, parce que ça ne veut pas forcément dire que le mec est excellent. Ça veut peut-être dire qu'en vérité... Les autres sont tellement mauvais, sans manquer de respect aux joueurs lyonnais. En fait, ça met en avant un joueur qui fait un premier match et qui forcément le fait avec une certaine motivation. Il est frais. Donc, ouais, voilà. Donc, il a pas la tête dans le saut Il y a des trucs qui font qui font vraiment peur du côté de Lyon et limite en fait, on a même plus envie de leur tirer dessus parce que c'est c'est vraiment dramatique. Offensivement, c'est le néant quoi. Trois buts marqués rien depuis les début C'est la seule équipe avec l'Angleterre, l'Italie tout ça qui a pas mené au score. Même Luton Town, l'a fait. Oui, oui. Même Luton Town, il y arrivent. Tu peux t'appuyer sur rien aujourd'hui. Alors que les mecs ils sont Fabriqué la quoi. Défense. Mais Donc, oui. Euh, là, là où ça va être un petit souci, c'est que même offensivement, il n'y a rien qui se crée. La casette n'est pas là, mais même lui, tu vois que son début de saison, il a à la il tête ailleurs. Ouais. Bah, Maman Baldé, bah, peut-être qu'il est parti pour le grand chêne de la relégation. Hein. Dijon ouais. 3 ou elle, pourquoi pas. Hein. <laughs> 3 à la suite, hein. ça va être incroyable. Donc, euh, ouais, il y a beaucoup de choses. Mais comme je dis, moi, là, l'instant de vérité, ça va être cet enchaînement pour moi. Ouais, ouais. Ça va être Lorient, euh, non, Clermont, ouais. la Trêve Lorient. Ah, oui, D'ailleurs, le, le, le Lyon-Clermont. Euh, ça va se régaler parce que c'est le match de dimanche soir. Ah ouais, c'est ouais. vrai? Mais non, le, un... attends en prime? Ouais. Mmh. Ah, mais en fait, au, ils, au ils retour, aiment le sang C'est le match de au la preuve. Ah ouais, d'accord. Okay. Moi, je pense qu'ils veulent des bad guns sur le terrain. Ah, mais là, euh, ils, ils, du, ils ont flairé un truc. Ils font du Cédric ouais, Doumbé. Ouais, ils, ils ont flairé un truc. Ils sentent qu'ils ont compris qu'il allait avoir un bons Et clairement, ils sont loin d'avoir perdu contre Lyon clairement ils peuvent vraiment mais n'importe ah ouais, qui est loin d'avoir perdu mais ah aujourd'hui oui. ah, aujourd clairement ça joue mieux que Lyon non ils ont des mal ils ont du mal en termes de résultats mais niveau dans la manière de jouer c'est intéressant d'accord avec toi euh, moi mmh. j'ai vu plus de trucs de Clermont non mais juste pour terminer sur ça Jordan tout à l'heure tu disais Pipion oui il faut au minimum prendre 4 points mais moi j'ai envie de te dire Il faut déjà au minimum commencer à marquer les buts ah non mais c'est sûr tu ne marques même plus je veux dire ils sont obligés de gagner comme il a dit nickel. Si là par contre ils sortent de ça et ils gagnent pas le prochain match, là ça commence à être vraiment très effrayant par contre. Bruce, toi tu voulais nous parler d'Akiouch, aujourd'hui. Ouais. Bah, les je... ça, après, derrière, on donnera la les la jeunes joueurs qu'on pas aux, joueurs qu parle aux <laughs> yeux et puis ça parle, ça parle à Kanto. Bah il est sur les trois buts, il met deux pions et aussi sur sur l'autre but donc. Euh... Rien à dire. Euh, il voilà, y a des jeunes joueurs comme ça qui, qui sont sûrs un peu de leur force, tu vois, qui n'ont pas peur, si tu n'as pas le ballon qui brûle les pieds, etc. Et C'est toujours plaisant à voir jouer. Après, son réel niveau et jusqu'où il ira, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, ce qu'on a vu sur ce match-là, dans un match particulier, en plus où Monaco, il leur manquait beaucoup de joueurs importants, honnêtement, rien à dire. fallait au moins ça pour, pour s'imposer. Et même si l'OM, il euh, y a eu un peu de mieux, moi j'ai trouvé, c'était pas catastrophique dans le jeu, mais le truc c'est que la défense, ils sont créés des occasions tout, mais c'est que la défense c'est le néant quoi. Ouais, le même bas, on fait qu'en parler chaque semaine, on comprend pas comment il peut continuer à jouer dans l'état où il est, parce que voilà, il est quasi à chaque fois dans dans tous les mauvais coups, as l'impression. Donc, euh, donc voilà, Gattuso, il va falloir lui laisser un peu de temps, on verra avec le nouveau système, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que Marseille, défensivement, c'est catastrophique. Mmh. Alors, Quanto, qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire justement On est sur, euh, sur Marseille, euh, cette défaite, est-ce que euh, tu as vu un, un effet Gattuso, quelque chose, un truc de, de différent Est-ce que tu est as des choses à, à, à relever sur ce match-là euh, Ouais déjà relever que c'est encore une défaite. Euh, ça, pour ça, ouais. euh, relever <laughs> qu'on est 12 en championnat. Euh, sinon pour le pour le positif c'est que ouais dans le jeu on a on a quand même pas trop mal joué offensivement on a vu ouais. quand même du on a vu quand même du mieux il y a ce but de Ndiaye qui peut lui faire beaucoup de bien mentalement euh, après on a aussi vu les, les limites de cette équipe là euh, on a vu les limites défensives un gardien de but qui est figé sur sa ligne et qui n'arrête pas à, il n'arrête pas un ballon, un Correa qui joue au foot encore, mais on ne sait pas trop on sait Un pourquoi. Ouais, ça force aussi, tu as l'impression, on comprend pas trop pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Un Valentin Rongier que, que je kiffe et que j'aime d'amour, mais qui malheureusement n'est que l'ombre de lui-même depuis, depuis un petit bout de temps. Et puis surtout, bah, cette, cette charnière centrale avec euh, Gigot qui est un, un homme rugueux. <laughs> Qui n'est pas un mauvais défenseur, mais qui. Il a mis sa surprise. Euh, euh, mais, pas mais, mal. Mais, mais, mais oui, non, mais il met, met, il met ça, un but. Moi. Il met un but, mais moi, celui qui me choque le plus, c'est peut-être Chancel Bamba. Ouais. Euh, ouais, Chancel je Bamba, ça commence à faire beaucoup. On a entendu des rumeurs de départ cette, euh, cet été. Il n'est pas, pas parti. Il y a eu cette. Euh, il y a eu ces matchs depuis le début de saison où il est, où il est franchement pas bon. Euh, il y a ce système à, à, à deux centraux qui peut ne pas lui plaire parce qu'il y a personne pour colmater les brèches derrière lui, euh, parce qu'il joue moins haut sur le terrain, parce qu'il a un positionnement qui n'est pas habituel. Euh, il, voilà, il y a eu cette réaction en plus qui avait fait un peu jaser. Bamba qui avait, qui avait eu ce, ce sourire, comme d'habitude. Hein. Moi, je lui en tiens pas rigueur du tout, mais, mais ça avait fait un petit peu jaser du côté des supporters. Et je trouve que là, voilà, ça commence à faire beaucoup, surtout quand tu as. Quand tu as un Balerdi qui a été très, très critiqué, très critiquable depuis qu'il est là, euh, ben je me demande si finalement la solution, ça ne va pas être Balerdi. Après, on a pris Bamou ça va peut-être être, être le, 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 le moment de, de venir euh, mettre ce, ce garçon en place parce qu'il va falloir que faire quelque chose. Parce que sincèrement, euh, euh, sur, les, sur les trois derniers matchs, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais on en prend quatre contre le PSG, on en prend trois contre Monaco, on en prend trois contre l'Ajax. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Et je veux bien que les gens euh, qui m'aiment bien ou qui ne m'aiment pas sur hors-jeu, euh, je pense qu'on est quand même tous d'accord et on est tous unis derrière une chose c'est que prendre 10 buts en trois matchs, c'est peut-être beaucoup. Donc il va peut-être falloir qu'il y en, en, en le... hein. ait ouais, non mais C'est possible. Ce <laughs> arriver 8 buts mais... c'est déjà arrivé ah non je repense pas c'est pas possible 8 buts c'est pas possible 8 buts j'ai pas entendu parler mais non mais au bout d'un moment voilà, cette, cette, cette charnière là euh, avec Bamba que, que j'adore euh, avec Gigo que, que j'adore il va falloir trouver quelque chose d'autre il va falloir trouver une autre organisation d'autres mélanges parce que, parce que ça ne va pas et puis Paolo Lopez ben, il va falloir vite retrouver le niveau sinon il va falloir chercher un gardien j'ai j'ai pas peur de le dire, mais je viens pas de faire une phrase choc non plus, mais il va falloir sinon trouver un gardien tout simplement. Ouais ouais, ouais t'y crois plus quoi, c'est fini. C'est un gardien qui a montré du bon, mais qui aujourd'hui pour moi ne oui. se responsabilise pas assez. Euh, trop sur sa ligne. Quand il y a des ballons en profondeur, il prend trop peu de risques de venir sortir. Trop peu de risques de venir euh, euh, couvrir un maximum d'angles. pour. Euh, bah là, on a vu le, le premier but d'Acliouche, où d'ailleurs, Gigo euh, ouais. et Bamba font n'importe quoi. Il n'y en a aucun qui lui monte dessus, les deux le laissent. Euh, et puis à côté, bah, les deux, ils sont devant et ils font contenir. Mais au moins, si tu as des défenseurs qui sont en train de contenir, il faut au moins que ton gardien s'avance un petit peu pour venir boucher l'angle. Au final, personne ne fait le, le, le bon choix. Donc, au bout d'un moment, si à chaque fois que les mecs ils ont un ballon dans la surface de réparation, qui derrière se terminent en but, ça va être très compliqué. Il va falloir trouver quelque chose et rapidement. Très bien, très bien. Bon, bah, c'était euh, le cri du cœur <laughs> de quoi bah, On, est que... Semaine, on sent que les semaines, cri du cœur. Mais on sent que c'est de pire en pire, euh, plus les semaines passent, c'est terrible. Non, ah, on sent C'est pas, même, pas, même pas un cri du cœur, c'est qu'en fait, c'est. C'est simplement voilà, un, un constat un peu alarmant. Il va falloir que certains joueurs, et encore une fois que je répète que j'aime beaucoup, euh, c'est ça qui me fait mal au cœur, c'est que c'est des joueurs que j'apprécie, mais il va falloir qu'il y ait une sérieuse remise en question et qu'ils se mettent à avoir le niveau pour jouer à l'Olympique ouais. de Marseille. Ouais. Parce non, mais que jouer à l'Olympique de Marseille, ça demande d'être bon de manière régulière. Et c'est pareil à l'Olympique lyonnais dans beaucoup de grands clubs français. Et c'est pour ça que les lyonnais ne sont pas contents, comme les marseillais comme d'autres supporters peuvent ne pas être contents. Je comprends bien, Canto. Euh, toi, Pipion, en coup de cœur, tu avais choisi Moridio. Euh, c'est vrai qu'il fait un match... Exceptionnel, on peut le dire, hein, quand même, contre le Paris Saint-Germain. Ouais. C'est quoi Il sort plus de 10 arrêts hein, 10 dans, euh, dans, dans ce match. Euh, il, a été, il a été très, très fort. Euh, et, euh, et oui, en effet, euh, le PSG a eu vraiment euh, du mal à, à les taper à cause de lui. Hein. Non, totalement. C'est l'histoire d'un parcours un peu fou. Justement, euh, passé par le PSG, centre de formation, des tweets un peu olé olé, c'était un peu n'importe quoi. Il était ah, jeune et foufou. Ah, vu ressortir un voilà, tweet, voilà, c'est ça. <laughs> il, était, il était dans un autre monde. Il n'est pas, on va dire, les, les connes encore. Ensuite, tu vois, il est passé par la Bulgarie. Il a été au chômage pendant, pendant un an. Il a fini par décoller en Suisse et là c'est vrai que depuis qu'il arrive à Clermont bah, est, ils peuvent afficher le tweet c'est vraiment, vraiment une valeur sûre t'es sûr que tu veux pas te faire strike hein, parce que lui il était chaud moi franchement je l'ai vu je pense que tu peux ah, tu te fais pas strike pour ça quand même n'abusez pas mais euh, en tout cas, ouais, un, un super match. Et au-delà du fait de faire ouais, match contre son club formateur, euh, le coup de l'ex et tout, c'est vraiment un gars qui, vraiment depuis un an, quand il arrive en Ligue 1, c'est vraiment devenu une des valeurs sûres euh, de ce championnat. Il est très très bon sur sa ligne, il a des bons réflexes, il est bon sur penalty, il rassure. Euh, même avec le Sénégal, voilà, il peut être en concurrence avec Edouard Mendy. Donc euh, moi, je suis très content de voir ce genre de trajectoire. Tu vois, le gars, il a 30 ans, ouais. mais il n'a pas fini encore. Et honnêtement, euh, ouais, c'est une des valeurs sûres. On a beaucoup de très bons gardiens en Ligue 1. Mais lui, depuis un an, je suis vraiment épaté euh, mm. vu euh, euh, par où il est passé. Et, et dans ce, dans ce match-là, très court, hein, mais c'est vrai qu'on a, on a vu un PSG comme on comme n'aime on pas le voir cette saison, un PSG qui se, qui se cherchait sur le terrain, euh, messieurs, juste avant Newcastle. En plus, hein, euh, forcément, ce n'est pas euh, la meilleure des manières pour préparer un, un, un tel match. Mais euh, ouais, on a vu cette mauvaise version du, du, du Paris Saint-Germain qu'on qu n'aime pas. Comment vous l'expliquez Après, vous, euh... à, 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 si je ne dis pas de bêtises, et, et corrigez-moi encore une fois si oui. mes souvenirs sont mauvais, mais avant le match de Dortmund, qui me semble-t-il, était quand même un oui, bon match... Oui, oui, non, PSG, mais justement, il justement. y avait eu une défaite face à Nice. Ouais. Ou où j'entendais oui. tout le monde scandaliser à dire qu'il va y avoir des espaces fous, que s'ils sont fait tamponner par Nice et que derrière, face à, face à une équipe de Ligue des Champions, ça va être encore beaucoup plus difficile. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas surpris de voir qu'avant des matchs de Ligue des Champions, le PSG joue en rythme de sénateur et je pense que ça sera comme ça toute l'année. c'est pas qu'avant la LDC, ils ne font pas un bon début de saison en championnat. Hein ils ont peu ouais, de. Points ils ont, ont répondu sur présent. Bruce, dans, dans la, juste dans la manière. Réponds-moi, parce que n'ai ouais. pas envie de faire durer le débat. Non. Mais est-ce qu'ils ont répondu présent pour toi face à Dortmund dans la manière? Dortmund, oui. Mais ouais. là, on parle du championnat et oui, le oui, truc c'est Dortmund. Ça. Moi, j'ai pas regardé leur match de ouf pour le moment, mais tout le monde me dit que c'est vraiment pas terrible. Moi, je pensais qu'ils pouvaient leur poser des problèmes et tout. Newcastle, je pense aussi ils peuvent leur poser des problèmes. Oui, oui. Bon, vers, mais je moi, je pense tromper. que c'est une équipe qui est capable, quand elle le veut, de pouvoir jouer à, à, à son bon niveau. Le truc c'est que là, OK, t'as pas ouverté, mais t'alignes quand même les quatre devant, tu vois. Bon, c'est ça le truc et c'est pas normal c'est une compo mmh. euh, un peu… Euh, ouais, euh, Mais il l'avait affiché Vraiment, Il l'avait hein. affichée. On se compose, c'était déjà la compo avec Barcola et tout, c'était celle-là. C'est le 4-4-2. Oui, oui c'est une sorte de 4-2-4 euh, bah, qui se prend en 3-3-4. C'est ça. ça. Mais ah, c'était oui. avec... euh, limite… Kylian euh, voilà, Mbappé qui a annoncé forfait aussi. Il faut remettre beaucoup de choses dans le contexte avec ce match face à Clermont qui, pour moi il n'y avait pas grand chose à gagner pour les joueurs du PSG et c'est un match où limite... Euh, ah, T'es gentil quant au... Hein. Ben, je ne sais pas si je suis gentil. faut pas laisser mais, mais, ses mais, points quand même. Non, hein. Pour à moi, moi, le match, c'est pas normal. À mon voir, sens, non. le PSG a prouvé déjà en un seul match et c'est pour ça que j'attends avec impatience le match ouais, face à Newcastle. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est une équipe qui va pouvoir jouer en rythme de sénateur et gagner... 75% de Mais il ne les gagne pas en, en les matchs Ligue de Ligue 1 tout le temps pour le non, moment je, je, On la, peut sa... voir le classement. La, la, sa... désolé, la saison hein. est encore longue. La oui. saison est encore longue. Mais qui sera capable de venir au C-niveau quand elle en aura besoin on ils, fait... en, ils ont censé avoir de la marge en Ligue 1, mais je suis désolé. Et tout le monde, j'ai l'impression, s'enflamme à chaque fois dès qu'il y a un gros match, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des choses pour le moment que moi je trouve qu'ils vont pas. Et en Ligue 1, c'est pas normal. Tu joues clairement, tu as les 4 devants, de pas être foutu de mettre un but. Je suis désolé, on peut Donc, dire ça, ce qu'on veut. Ça, bah, je suis d'accord pas normal. Et en plus, tu concèdes quand même quelques trucs comme d'habitude et tout, c'est pas normal. Alors, je Bien qu'Ougarté, etc., avec beaucoup de problèmes quand il est là, mais c'est pas lui qui va te mettre les buts aussi. Oui, Je veux non, dire, ça... devant, ça à eux à un moment d'être un peu plus juste dans le dernier geste, etc. Je suis désolé. Donc, euh, oui, il y a eu des choses qui peuvent être intéressantes, un peu plus d'équilibre par moment, ce que tu veux, pas de souci, mais moi, on peut me dire ce qu'on veut. Tout le monde s'est dit le mercato extraordinaire, ce que tu veux. Colomogny, moi, vous le savez, j'aime beaucoup. Mais pour le moment, Kolomani, c'est un peu décevant, il faut, faut dire ce qu'il y a, mais, est, pas est, pas mais vraiment, tranquille, oui. je m'en fais pas trop pour lui. Mais quel est son réel niveau à Kolomani Moi, je ne le connais pas, son réel niveau. Il a fait que monter en puissance, mais tout s'est passé en quasi un an, un an et demi. T'as pris Dembélé, etc. Dembélé, on sait, il y en on a. Tu pas, pas appris... commencer à tourner sur Colomani quand même, hein, parce que ça non fait trois ans que tu nous le vois. C'est un bon joueur Colomani, mais <laughs> ça m'embêterait. Depuis qu'il est au PSG, non tu commences à tourner Colom sur Colomani. Col Col Alors là, euh... toujours Oula. dit C'était un bon joueur. Après, si t'ai jamais. Je dit commence que pas à lui. tourner sur lui, toi. toujours dit que c'était un bon joueur. t'ai jamais dit que c'était lui qui te fallait pour gagner la Ligue des Champions. Ça, je connais pas. Il faut voir en Ligue des Champions. Ah non, mais et Dembélé, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas lui qui va te faire gagner la Ligue des Champions aussi. Voilà, c'est pour ça que ce que je dis depuis le début, oui, c'est bien d'apporter de l'équilibre et tout, mais la créativité, tu l'as dégagée, les Verratti, les Neymar, les Messi. Et là, Mbappé, on l'a vu réagir, oui, il faut que je fasse plus le rôle de playmaker, je sais pas quoi, faut que. Oui, mais c'est pas ton meilleur rôle et tu voulais pas des autres parce que tu veux des mecs qui courent, qui font les efforts, etc. Donc, au bout d'un moment, faut savoir ce que tu veux. L'équipe du PSG, on le sait depuis le début, il y en a, ils vont le découvrir, et je te parle peut-être pas dans cette poule, ils vont peut-être se qualifier tranquillement et tout, mais à un moment donné, le manque de créativité et de justesse dans les derniers mètres, tu vas le payer, c'est inévident. Voyons, voyons le match face à Newcastle. Mais non, mmh. mais Newcastle, c'est pas City, c'est pas le Bayern aussi. Ça reste quand même une, une vraie équipe européenne. Mais le Newcastle en ce début de saison n'est pas un failli. Je veux dire, non, Paris peut très il bien gagner à Newcastle. Est, il est, les matchs, il est, est Oui, c'est la Ligue des Champions, oui, c'est un moment où on attend le PSG. Moi, j'attends de voir si sur ces 90 minutes-là, ils sont capables moi, de, de remonter face à Dortmund. Non, contre Dortmund, au final, la poule, elle est abordable pour Paris, il faut être honnête. Tu vois, moi, j'ai revu ma position et je vois machin. Le vrai test, on verra sûrement pas. En tout cas, on s'est un peu écarté. Juste pour revenir sur ce match à Clermont, moi c'est vrai que je rejoins quand même Bruce. Je, je comprends pas, je comprends pas en fait ces deux visages que tu vois du PSG et surtout. Euh quand, quand tu as montré ce que tu as montré face à Dortmund, face à LOL, face, face à Marseille, et que tu sais que tu as, as une certaine base, même si tu dois faire tourner des joueurs, je suis désolé, euh, reste quand même sur quelque chose que tu sais faire. Là, là, je trouve qu'ils ont un petit peu pris Clermont de très haut, comme tu le dis, tu vois, avec ce rythme de sénateur. Le, le rythme de sénateur, il peut très bien marcher, je pense, dans une, dans une saison. Quand tu es le PSG, ça peut marcher si tu fais pas n'importe quoi. Mais si tu commences à tenter des trucs, alors que tu sais que tu as, as encore une équipe qui est fragile, parce que moi, je considère que le PSG, malgré le côté nouvelle ère, reste une équipe fragile il y a encore plein de choses à reconstruire, il y a encore plein de choses il y a beaucoup à remettre hein. d'aplomb, donc ce match-là moi je le dis honnêtement, il me dérange j'ai ai pas sons aimé thèmes, ce PSG clairement il y, y a quelque chose que, que j'ai pas que pas apprécié les, dans cette rencontre-là. Laissons et n'oublions pas que c'est quand même le, le Paris Saint-Germain et que c'est une équipe qu'on suit depuis des années ah, mais sûr, que cette équipe-là doit aussi apprendre à jouer ensemble et que ce genre de match-là va servir à ça bah, de, euh, regarde, regardez l'effectif, hein, je veux dire Barcola, Barcola est une recrue Colomoni est une recrue t'as Gonzalo Ramos qui est une recrue t'as Ousmane Dembélé qui est une recrue, est une recrue. Enfin, je veux dire avec le nombre de recrues offensives laissons aussi ces joueurs-là grâce à des matchs face à Clermont qui sont des matchs où ils sont sur le papier largement au-dessus et dans un championnat dans lequel ils ont quand même un petit peu de marge laissons les à ces joueurs apprendre à, à jouer ensemble laissons les se découvrir aussi et n'en attendons pas des résultats absolument immédiats parce que leur ah non, niveau mais moyen mais... est bien ah au-dessus du niveau ah moyen si, des même n'en attendons pas des résultats oh. immédiats pour moi j'ai doit... pas vu quelque chose de catastrophique non vu quelque moi vois rien de catastrophique d'un avec ça un petit manque un peu de ça. créativité d'accord mais c'était pas non plus foncièrement mauvais non, non, je non, pense non, que non, non. la même équipe face à clairement dans quelques mois le résultat ne sera plus le même parce que ce sont des joueurs qui se connaîtront ils se connaîtront encore mieux et ce sera mieux. Moi, c'est peut-être dans la, dans l'attitude et dans certains, clairement, c'était pas foutu de mettre un but et c'est normal, même si les mecs se connaissent pas depuis hier pour certains, je suis désolé, il y a un problème pour moi. Non, t'es censé faire bien mieux et as des castes, des situations, je suis désolé. Bon, l'avenir ah nous. L'avenir nous dira les mecs, si euh... les mecs les trois devant ils se connaissent en équipe de France. Les mecs ils ont déjà joué des matchs ensemble. Il y a déjà eu des matchs cette saison. On va pas me dire que c'est normal de pas être capable de marquer comme ça. Si vous êtes content du début de saison de Dembélé par exemple et de Colomani son temps de jeu, etc. Et tout, de l'attaque du PSG. Si vous êtes content pour le moment des offensifs, les gars, il ne vous faut pas grand chose. Moi, je trouve pour le moment, c'est décevant. Ils ne seront, toujours... seront pas toujours comme ça. Il y aura forcément du même. On a le droit de souligner que pour le moment, c'est un peu décevant. Voilà, c'est tout. Euh, Pipion, il faut qu'on ait un, un petit mot quand même sur le, sur le Nice-Brest, hein, qui était euh, le match euh, soporifique, mais qui opposait, ouais. Ouais, soporifique, mais qui opposait quand même le, le premier et le deuxième. Et donc, on a eu ce 0-0 un peu, un peu triste. Bon début de match, mais derrière, ça s'est quand même un peu, euh, un peu effrité. Enfin, on n'a pas eu ce qu'on attendait vraiment ouais. de voir, hein, on Bon. Ouais, avant de démarrer l'analyse on a une petite pensée pour le joueur de Nice euh, ouais, Alexis ouais, Beka Beka incroyable ce qui... histoire. Traverse un, un moment difficile, donc euh, bah, tout cœur avec lui euh, et avec ses proches, euh, évidemment. Euh, je pense à peut être jouer un petit peu sur le match, même si on a vu dans la préparation que Farioli et Danté ont insisté qu'ils voulaient jouer à 100%. Voilà, euh, Brest va embêter beaucoup de monde. Mais on sait qu'à Francis Leblay, euh, c'est extrêmement dur d'aller jouer là-bas, c'est une ambiance bizarre. Maintenant, cette équipe s'est bah, très bien voyagée. Euh, mine de rien, bah, elle a gagné à, à, à Reims. Euh, elle a fait un bon match, je trouve, contre, contre Marseille. Euh, donc euh, vraiment, ils vont devenir un petit poil à gratter. Je pense que voilà, on se fait pas trop de soucis pour le maintien, mais voilà, c'est vrai que ce 11 est quand très très bien construit oui. ça embête pas mal ça c'est assez difficile et on sait que Nice bah en fait ça va être un peu l'inverse c'est une équipe qui va être très bon je pense dans euh, les matchs ouverts contre euh, ouais. des équipes qui vont voir faire un peu plus le jeu par contre les blocs bas on a déjà vu ça à plusieurs reprises euh, quand des équipes bah, voilà contre Lyon viennent poser le bus contre euh, en début de saison c'était aussi un petit peu compliqué bah, là c'est un petit peu voilà il faut peut-être trouver d'autres moyens est-ce que c'est ouais. un changement de compo est-ce que c'est mettre un, un ailier un peu plus créatif que, que la board par exemple euh, je pense notamment à un Boanani ou peut-être un, un diop avec Boga pour essayer de percuter un petit peu plus euh, donc euh, un petit peu frustrant parce que c'est une équipe Nice voilà, c'est vrai qu'ils ont fait un, un enchaînement euh, PSG-Monaco vraiment euh, superbe 6 sur 6 et on se dit à chaque fois que cette équipe elle peut passer un cap y a un déclic elle peut prendre la première place euh, de manière euh, voilà, euh, affirmée et ça bloque un petit peu en plus pour les 10 ans de Rivera donc il faudra voir un petit peu euh, sur la suite des matchs si ça réussit à, à enchaîner Très bien, très bien. Euh, joli résumé sur ce match et puis euh, on va terminer avec ce, ce derby, bien sûr. Vite, on même. a déjà oui, bah, bah quand même pa, pa, parlons-en. Euh, beaucoup d'électricité hein, dans ce dans ce match finalement victoire du, du Stade Rennais euh, 3-1 ouais. et, euh, et beaucoup de choses à dire aussi sur sur l'arbitrage. Tu tu t'es senti un parce peu on est étonné, ar... étonné oui, avec Lucas ouais. Oui non. Ouais. Oui oui. oui. Ouais, ce qu'on étonné Non, il n'a <laughs> pas maîtrisé complètement son match. On va pas se mentir. Après au-delà de ça, c'est dommage que tu sens que c'était. C'était un Rennes, encore une fois, où il y avait peut-être la possibilité tu d'aller chercher quelque chose. C'est pas un Rennes conquérant et tout, comme j'attendais. Oui, est pas le, le Rennes Ça ou ouais, ronronne. Et ouais. surtout avec le but concédé sur l'erreur, tu vois, où j'y la marque. Là, tu te dis, OK, la deuxième mi-temps, elle va être intéressante parce qu'ils finissaient bien la mi-temps. Non, tu avais eu des petits réajustements de leur côté. Mais malheureusement, tu quasi tous les buts sont complètement cons, je trouve, dans le match des deux côtés. Tu vois, il y a des buts complètement cons. Le premier penalty, la faute, elle est stupide. <laughs> Euh, à la fin, le but où le ballon va sortir, c'est Doué qui marque derrière et tout, mais le but, le ballon va limite sortir. Ils sont trop passifs, les Nantes. Ils il s'arrêtent de jouer. Hein. Ils s'arrêtent de jouer, ils réclament que le ballon est sorti, mmh. ils dorment, donc tu te fais punir derrière sur un but ah complètement ouais, non, à ça, la ça con. Abusé. Alors que tu tenais bon, puis à la fin, le dernier péno, bon, pour moi, c'est anecdotique. Du coup, c'est dommage parce que en étant, on va dire, un peu plus concentré, en faisant moins d'erreurs, il y avait vraiment moyen, je pense, pour Nantes d'aller chercher un point, tu vois, par exemple, mmh. ce qui aurait été un très bon point et ça, ça aurait fait 5 matchs en défaite, etc. Tu vois, ça aurait été bien. Donc, je ne vais pas te mentir, un peu de regret parce que ce n'était pas un gros Nantes. c'était pas le meilleur match de Nantes, mais il y a eu quelque chose, euh, quelques trucs intéressants. Il y avait encore une fois moyen d'aller chercher un point contre Serena, euh, là, je pense. D'ailleurs, une équipe qui s'arrêtait de jouer, je crois que c'est contre Montpellier aussi. Le, le dernier but d'Accor Adams, où il y a un ballon oui. qui est au bord de la ligne de touche. Tout le monde s'arrête. Accor ouais. Adams est lancé par, par Chotard et, et ça fait but. Et juste, voilà, un, un, juste une phrase. Vas -y, vas -y, euh, bah, Montpellier, euh, finalement, à l'extérieur, quand ils vont jouer sur un terrain qui est constitué de terre avec un petit peu de pelouse dessus et qu'il n'y a, qu a pas seulement de la terre comme à la Mosson bah c'est une équipe qui joue au foot et on voit Altamari et Accor Adams qui sont d'excellents joueurs ouais, de foot ouais, et donc Joli voilà, doux, en vrai hein. si, 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 si monsieur Nicolin et la commune de Montpellier nous entendent euh, bah, s'il vous, vous plaît plantez prenez du fertiligène, je ne sais pas il y, 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 y a plein de pubs mais arrêtez bon, de ganon, venir saboter complètement <laughs> le jeu de cette équipe qui aujourd'hui dispose d'une pépite avec Altamari j'ai envie de voir Altamari à la Bien joué, j'ai envie, <laughs> envie de le voir. Euh, un pardon, j'ai envie de le voir à mauvais de ballon par TG Savagné, donner des galettes à Cor Adams. J'ai envie de les voir jouer, ça me fait chier que cette équipe de Montpellier, elle va angoisser presque de jouer à domicile toute la saison. Ouais, dingue, voilà, dingue. ça, 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 ça m'emmerde. Je, je te laisse imaginer la mausson avec la Coupe du Monde de rugby, l'état oh. de la plus. Oh là oh, là, mais on parle pas. M'en oh. parle pas, mais tu sais que là il sera en train déter les, les tuyaux et tout, hein, les canalisations. Hein. Il déterre tout parce qu'il n'y a plus rien, il y a plus d'herbe, il y a que de la terre. Il y a que de la terre. Ah ouais, non, mais tu fais un match de rugby, tu peux planter les tomates à la fin sur le, dans, dans le stade. c'est bien son nom, hein, ce, ce stade. Ah ouais, la moisson, c'est la moisson, ouais. c'est c'est sérieusement, il va falloir faire quelque la chose moisson. parce que parce que c'est triste pour cette équipe de Montpellier qui a les moyens de bien jouer au foot. La semaine prochaine, on appelle le supporter de Lorient. Ah oui. La dernière fois, il avait été alarmiste et tout. Alors. Que ah vas-y. Bah, je l'avais, je, avais, bah, je avais dit, frérot. Tranquille. Aussi, je d'accord avec toi. Lorient, ils font un vrai, vrai, un un vrai, vrai bon ouais. début de saison. C'est pas parce qu'ils ont fait un vrai, match pitoyable ce soir. Bah chien, de quoi il croyais. retourné le drame. il a et il dit ouais, j'avais peut-être raison. Depuis miskin, je on crois, ils ont pris un point sur 15 ils ont pris comme ça. Alors ils sortent 7 buts ou toutes les semaines, ils mentionnent sur Twitter, me disent voilà, j'avais raison. Voilà, j'avais raison. Voilà. J'avais raison. c'est malade Paninotti, tu sais. Tu... Ouais 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 non, on l'appellera on lui demandera ce qui se Semaine prochaine 100% on l'appelle. On prendra aussi les nouvelles de ton pote là, de, de Tottenham, je crois. Mais ça va, <laughs> on va pas l'appeler toutes les semaines. Non, non parce plus. que lui, il va l'attraper, il va dire je t'avais dit oui, quoi justement. Tottenham, <laughs> Tottenham c'est incroyable. On avait raison. Euh... Et non, tu voulais dire non, un petit mot bah, sur bah, peut-être Non, ce Montpellier, c'est ouais. vrai que c'est euh, je pense que le game changer de Montpellier cette saison c'est Altamari. Altamari, mais c'est sûr. C'est un Adam c'est un super neuf Il est là pour finir l'action, c'est un très bon est pour ça il a la finition, but, il a une la finition but le crochet, c'est génial. Mais celui qui va vraiment changer le jeu, s'il est à 100%, c'est lui. Parce que là, c'est vraiment le joueur le plus de Montpellier. Donc souvent, pro ça a été Savanier et tout. Et profiter, parce qu'on le verra qu'un Mmh. Bah, je pense que ça peut aller mmh, très, oui, très, oui. très vite pour lui. Il a quel âge ça, lui il, il, il a la 26 vie reste là. ans. Ça part, à, ça part à 40 millions. Euh, ah oui, ça, ça part va, à 40 va millions l'année prochaine. Très vite. Hein. Ça, ça peut être très bien. De et Kanto a parlé quand de Chotard aussi. C'est vraiment un très très bon début de saison pour lui. Il est en train de confirmer. J'aime bien aussi Omeragic qui est arrivé libre de Zurich, qui peut dépanner à droite et tout, qui avait une grosse blessure. Et ils l'ont pris libre. Et je trouve que c'est une bonne pioche. Et le compte, ce qui paraît, on a parlé des gardiens tout à l'heure, en 2023, depuis son retour à Montpellier, c'est un sans faute. vrai. c'est vrai qu'en ce moment-là, lui aussi, ça marche plutôt bien pour lui. Euh, messieurs euh, j'espère qu'on a été euh, assez complet on va, on va mettre un terme à cette émission juste les, les grosses affiches de, de Ligue 1 euh, pour euh, le week-end prochain Nantes qui sera en déplacement à Strasbourg un match euh, qui est est jamais, jamais simple suite, là, ils ont et oui, la Rennes -Strasbourg, oui. Et oui parfois ça arrive dans, dans le calendrier Monaco qui sera aussi en, en déplacement cette fois-ci oh, ça, ça va être un match très intéressant à regarder justement. oh le dimanche 13h <laughs> attention attention. les problèmes <laughs> dimanche très peur. bien sûr euh, 13h très peur euh, pardon ah, bah là, dimanche, tu fais 13h, 15h, t'es bien. Hein. Je, je vois pas d'ici, en fait. C'est marseille le Ah oui, marseille, -Lewa. marseille -Lewa. Et, et oui, tu oui, tu juste derrière, t'as Lyon. Hein. Tu fais le ouais. combo des deux Olympiques d'affilée, là. Tu n'as pas. Momo Bayo hein. qui enchaîne After Nuit Blanche et qui arrive au vélodrome <rire> très. très. <rire> voilà. Joue -jou -jou comme oui, tu oui. sais <laughs> le, <Oui>. le faire. <laughs> sorti au Mistral sur Aix-en-Provence la veille. Et là, je peux vous dire que ça sera doublé pour Momo Bayo. Derby du Nord aussi, bien sûr, entre Lens et Lille. Et Rennes. Il y a des matchs On recevra le Paris saint Germain. Ce sera l'affiche du dimanche soir pour. Euh, notre prochaine journée de Ligue 1. Messieurs, merci beaucoup. Merci, Kanto. Merci à toi. Merci à toi, Pipion. Merci, Braque. Merci, la régie. Merci, Bruce. Merci à merci tous. À toi. Merci pour toutes ces analyses et merci encore une fois à Benjamin d'être passé dans cette émission. C'était un plaisir de l'avoir avec nous sur le plateau, Benjamin Da Silva, commentateur Beansport. Si jamais vous avez aimé le contenu, si jamais vous aimez les replays sur YouTube et, et, et tout ça, n'hésitez pas à mettre un, un petit like. Ça nous aide énormément. Euh, ça nous aide à faire progresser l'émission, à la faire avancer. Pareil sur, sur TikTok et sur tous les réseaux, les podcasts, bien entendu, sur lesquels vous suivez. Hors jeu, euh, votre émission du lundi soir. Très bonne soirée à tous et à lundi prochain. Ciao. Ciao.